Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Salut à tous, bienvenue sur Horus. Alors, je fais habituellement une présentation des émissions que je vous propose sur Horus avec un petit speech, mais cette vidéo que vous venez de voir fera guide d'introduction. Vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui parler du film Matrix avec Idriss, que j'ai le grand plaisir d'accueillir. Salut Idriss. Salut Jérôme, merci de m'accueillir. Ah bah c'est un grand plaisir, hein. Tu as pris contact avec moi sur Internet. Tout à fait. Et puis, tu m'as envoyé cette petite vidéo que tu as fait sur ta chaîne. Mmh. Donc là, ce qu'on a vu, c'est l'introduction. Et puis, j'ai dit, youpi, ça y est, enfin, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je vais pouvoir parler de ce film. Mes chers. Et moi, j'ai dit, enfin, j'ai trouvé une chaîne qui a accepté de parler avec moi de ce film. Et en plus, j'utilise dans l'introduction de Horus, hein, le fond de la Matrix. Donc, vous comprendrez bien que je suis fan de ce film. Hein, il est dans les top 3 de mes films préférés. Donc, je suis très content de t'accueillir sur Horus aujourd'hui pour parler de ce décodage de ce film, parce que c'est un film qui est bourré de codes. Et moi, j'avais vu il y a pas mal d'années de ça une intervention de Paul-Georges Sansonetti sur BTLV qui avait parlé justement du décodage, mais lui, il était plus parti sur la gématrie. C'est-à-dire qu'il s'était rendu compte que les noms, par exemple les noms des héros de ce film, lorsqu'on décomposait ces noms grâce à la gématrie courte ou longue, hein, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la gématrie, c'est on attribue à chaque lettre un chiffre, A, 1, B, 2, etc. jusqu'à Z26, ou la gématrie longue, à partir des dizaines, on part sur les 20, 30, etc., centaines, etc. Voilà. Et d'ailleurs, on en parlera un petit peu, normalement, si on a le temps. On aura le temps. Parce que c'est quand même un objet important, la gématrie, c'est quand même un objet important dans le décodage du code de la matrice, on va dire. C'est ça. Alors, avant de se lancer tous les deux, hein, je tiens à le préciser, j'essaie toujours de faire des vidéos courtes avec Idriss, on s'est dit, écoute, on ne se donne pas de limites. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Donc, allez, on ne se donne pas de limites. On verra bien le temps que prendra cette interview. Avant de tout commencer, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, Idriss? Ben dans les grandes lignes, très très grandes lignes, moi je suis Idriss, quêteur de vérité, parmi beaucoup d'autres, et qui aime courir à l'essentiel. Donc voilà. Bah écoute, super, on va aller à l'essentiel ce soir. C'est de Vauvenargues, courir à l'essentiel c'est de Vauvenargues, c'est une citation que j'adore. Ok. Je vais vous faire, on va réexpliquer un petit peu l'historique de ce film, qui est sorti en 1999. Qui a été réalisé par, à l'époque, les frères Wachowski. Je dis à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, ce sont les sœurs Wachowski. Parce que bon, ils ont décidé de se faire couper le kiki, de se faire pousser des nénés. Ils sont des femmes aujourd'hui. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais leur parcours est intéressant. Ils ont fait intéressant parce que, on verra plus tard, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le parcours, quoi. Ils ont fait d'autres films, je ne vais pas vous les citer. Et alors, il faut savoir que ce film, à la base, il y a eu une histoire de plagiat quand même.
Ouais, alors ça, moi je suis pas trop au courant, j'ai vu ça de loin. J'ai suivi ça de loin parce que moi ce qui m'intéressait c'était plus leur film que cette histoire de plagiat. Mais bon, après, bon, apparemment la justice a plaidé pour eux. D'accord. Elle leur a rendu justice à eux. J'ai pas suivi la finalité de ce procès, enfin de cette histoire, mais il faut savoir que Matrice et Terminator ont été créés à l'origine par Sophia Stewart. Apparemment. Voilà. Et puis le titre originel de Matrice, hein, le livre qu'elle avait écrit, c'était The Third Eye, donc le troisième œil. Voilà. Et donc c'est vrai que si vous lisez ce livre, si vous arrivez à le trouver, vous verrez que c'est l'histoire de Matrix. Donc alors. Ouais, c'est vrai que bon, en dehors de cette histoire de plagiat, etc., au moins les frères Wachowski à l'époque, en plus de cette histoire, eux ont utilisé le support visuel, ce qui leur a permis d'intégrer encore plus de codes. Beaucoup. Beaucoup. Énormément. Énormément. Comme on le verra, nous, on va juste effleurer le sujet, tellement le film est codé. C'est-à-dire que. Quand on en parle jusqu'à maintenant, on parle de beaucoup de codes de Matrix, mais en fait, on effleure le sujet. Souvent, on effleure. Et même nous, quand on va creuser, on va juste prendre deux ou trois exemples de ce code, parce qu'il y en a tellement. C'est exceptionnel. Matrix, au niveau du code, c'est exceptionnel. Il y en a tellement. On le retrouve partout. Enfin, tu verras le slide, là. On le retrouve tellement, le code, partout. Qu'on est obligé de prendre des exemples pour expliquer aux gens ce qu'est le code, parce qu'on ne peut pas en une seule émission, il faudra des heures. Sinon, on fait une émission de 12 heures. Non, c'est pas 12 heures, c'est des centaines d'heures. C'est des centaines d'heures. Non, mais chaque scène est codée. Voilà. Et puis, ça renvoie à autre chose. C'est ça qui fait que c'est long. C'est-à-dire que chaque scène est codée et ça renvoie à autre chose, à l'extérieur du film. En fait, ils sont venus nous chercher. Dans le film, ils sont venus nous chercher dans la matrice pour nous montrer le chemin. C'est ça. Exactement. Parce que, voilà. Enfin bon, on verra avec les slides, on comprendra pourquoi. Alors, voilà. Pour poser le décor, nous sommes dans le futur, dans ce film. Ça se passe dans le futur. Et les humains servent de piles électriques. Alors, je vais vous lire ce petit extrait qui est tiré du livre d'Alan Duke, hein, que j'ai reçu sur Horus. Il m'a envoyé ce livre, Bois de Houx, c'est le décodage de plein de films hollywoodiens. Et bien sûr, il y a un chapitre sur Matrix. Alors je vous lis ce passage. L'histoire nous contant un avenir apocalyptique pour l'humanité tout entière, vivant dans un asservissement total car inconscient. Ce film nous dévoile des humains endormis dans des cocons et qui servent de piles électriques pour un monde futuriste totalement automatisé et robotisé. Pourtant, pour ceux et celles qui observent notre monde contemporain d'un petit peu plus près, ces derniers constateront que ce n'est pas que le futur qui nous est montré, mais bel et bien aussi notre présent et de ce qui se trame pour la suite. Voilà. Là, c'est bien notre présent. Ouais. C'est ça. On est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience à quel point Matrix nous parle. Tu verras, on en parlera. C'est nous, quoi. Et d'autres avant eux, attention, hein. Matrix n'est que n'est qu'une conséquence d'écrivains anciens qui ont partagé leurs connaissances avec nous, nous, et ça s'est transmis avec le temps. Avec leur époque et leur façon d'expliquer les choses à ce moment-là, quoi. Voilà. Chacun a son voilà. Donc, écoute, Idriss, je sais que tu as préparé tes slides pour se lancer dans ce décodage de Matrix ensemble. D'accord. Donc, tu peux nous partager ton écran, puis on va commencer. D'accord, j'y vais. Alors, donc, la première image qui est parlante, on a donc Matrix, le code caché. En fait, j'appelle Matrix le code caché, mais en fait, comme tu disais tout à l'heure, on pourrait dire Hollywood. Le code caché. Parce qu'il n'y a pas que Matrix. Oui, il n'y a pas que Matrix. Mais celui-là, en tant qu'œuvre initiatique et bourrée de code, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas mieux. Voilà, comme tu dis, c'est une référence. C'est une référence. Mais après, le code, il est diffusé partout. Alors, dans une moindre mesure ailleurs, c'est vrai, notamment dans les deux séries, là, parce qu'en fait, Eleven, c'est Squid Game.
Pardon, Eleven, c'est Stranger Things et Stranger Things. Et le film coréen Squid Game. Oh, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Et donc tout ça pour signifier que le code de la matrice, il est partout en fait. Même au-delà d'Hollywood, il est partout. Ou qu'on tourne la tête, en fait, le code, il est partout et il nous est adressé. Mais comme je le dis souvent, il faut juste avoir les yeux pour le voir et les oreilles pour l'entendre. Tout à fait. Mais tu verras, ça répond à ton affirmation. Donc voilà, je me suis permis quelques citations pour montrer la direction qu'on va prendre. Donc il y a la première qui est de celle de Léonard de Vinci. Il y a ceux qui voient, il y a ceux qui voient quand on leur montre, et il y a ceux qui ne verront jamais rien. Elle est de Léonard de Vinci, et lui, c'est quelqu'un qui a apparemment qui s'est beaucoup intéressé à l'hermétisme. Mmh, oui, énormément. Mmh. Voilà, donc, il a beaucoup codé apparemment ses toiles, et donc il est lié au secret. Exactement. Voilà. Après, on a une citation de René Guénon, qui est une référence métaphysique. Mais pas que, parce qu'il est aussi une référence du secret, parce qu'il a beaucoup étudié l'ésotérisme. Et comme on le sait, le mot ésotérique veut dire, dans son premier sens, caché. Mmh. Donc, nous ne sommes le serviteur de personne, ni de rien, si ce n'est de la vérité. Et la vérité, voilà, et la vérité, c'est ce qui est promis à Neo dans le film. Et seulement la vérité, rien de plus. D'ailleurs, à un moment, je me permets, hein, je te dis, je vais rebondir souvent. On m'a reproché parfois de couper la parole à mes invités, mais bon, là, je ne vais pas pouvoir m'empêcher. Mais à un moment, Morpheus dit à Neo, hein, je t'ai promis la vérité, mais je n'ai pas dit que ça allait te plaire. Hein. Voilà, exactement. Oui, et rien de plus, justement, on n'est pas dans quelque chose de... Mais on verra pourquoi, hein, juste après, on va voir juste après pourquoi. On n'est pas dans quelque chose de plaisant pour Neo, quoi. Ça va être un petit peu difficile, ce qu'il attend. Mm-hmm. Et après, on a Jabr ibn Hayyan, qui est un alchimiste, je crois, du 8e siècle, il me semble, un alchimiste de langue arabe, qui a vécu entre la Perse et... en fait, entre l'Iran d'aujourd'hui et l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, qui dit « Comprends ce que je dis, ô toi qui dors, et réveille-toi. » Et c'est donc un alchimiste. Donc, on voit les directions qu'on va prendre dans cette démonstration. Et ils sont tous les trois liés au secret. Les trois personnages, l'hermétisme, l'ésotérisme et l'alchimie. Donc, avec Matrix, les Wachowski réinventent le cinéma. Ils créent le blockbuster philosophique. Et donc Matrix, en effet, c'est un kung-fu dans la caverne de Platon. Comme on peut le voir sur le slide en bas, Matrix, c'est l'allégorie... De la caverne de Platon, revisité en 1999 par les sœurs Wachowski. Donc. Et l'allégorie de la caverne de Platon, c'est intéressant. Si tu peux nous expliquer hein, cette allégorie de la caverne. En fait, l'allégorie de la caverne de Platon, c'est des gens qui... c'est Platon qui explique comme la condition humaine. C'est que, en fait, nous sommes dans une... mais on pourrait presque faire un parallèle avec le cinéma aujourd'hui. Mmh. C'est des humains qui vivent dans une caverne, enchaînés, donc ils ne peuvent pas tourner la tête, ils ont la tête fixée à un mur sur lequel est diffusée des ombres qu'ils prennent pour la réalité. Et on remarque que ce sont des gens qui diffusent les ombres, des individus. Alors là, ils sont voilés, mais c'est des individus qui diffusent ces ombres, ces images. On voit un petit feu là dans la caverne, et puis voilà. Ces personnages qui tiennent, comment on appelle ça, tu sais, comme les ombres chinoises là, tout à fait, exactement, des ombres chinoises quoi. Et qui projettent sur un mur, bah, comme tu le dis, comme au cinéma. Aujourd'hui, on dirait que c'est du cinéma aujourd'hui. On dirait. En fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que l'humanité est en train de se faire un film. Complètement, c'est-à-dire toute l'humanité, il parle de nous, hein, l'humanité tout entière. Hein. Mmh. Mais il y a un truc intéressant. Alors le but, c'est que parmi ces humains, ça rappelle un petit peu Matrix d'ailleurs, il y en a un qui se libère. C'est ça. Par un heureux hasard, il y en a un qui se libère et qui sort, non sans souffrance, c'est important de le dire,
de la caverne, qui s'échappe, qui réussit à s'échapper. Et oui, parce qu'il est tout de suite ébloui par le soleil, parce que ses yeux ne sont pas habitués au soleil. Tout à fait. À la réalité, quelque part, quoi. Ouais, au véritable. Au véritable. C'est-à-dire qu'il était dans le mensonge, dans l'illusion, il sort pour, comme on le voit un peu plus haut là, quand il sort, il est dans le véritable. D'ailleurs, Platon le signifie bien, hein, il pointe le doigt vers le haut, quoi. Mais il y a un truc intéressant dans l'allégorie de la caverne, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas dit, qui est rarement évoqué, c'est qu'il y a comme un bug, en fait, dans cette allégorie de la caverne, c'est que les individus, ils sont tous enchaînés, tous. Mais il y a quelque chose qui n'est pas dit, c'est qu'ils ont les mains libres. Mmh. Ils sont enchaînés que par le cou et par les pieds. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc ils ont quand même les mains, ils ont les mains libres quelque part. Il y a quand même, ils ont les moyens de se libérer s'ils le veulent. Et oui, parce qu'en fait, le premier qui se libère, on ne sait pas comment il se libère. On dit, apparemment, c'est par un heureux hasard. Mmh. On ne sait pas en fait comment il se libère, mais sachant que tous les individus ont les mains libres. Ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on a le choix. En fait, on a le choix de se libérer ou pas. C'est ça. Soit le choix est donné. Soit de rester enchaîné dans cette caverne ou endormi dans un cocon. Voilà. Ou alors de pouvoir se libérer. Et c'est nous. Platon parle de nous. C'est nous qui avons le choix de nous libérer ou pas. Le choix de vivre dans l'illusion toute sa vie ou pas. Mmh. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de le citer parce que c'est... en plus, c'est un kung-fu dans la caverne de Platon, j'aime bien, parce que le mot c'est fini de kung-fu, tout ça. Très, très bien. Platon est un personnage important dans Matrix. C'est sa philosophie, sa façon de voir les choses, c'est quelqu'un d'important. Donc, mais qui sait qu'au cœur de son propos, Matrix dissimule un code occulte. Un puzzle implanté dans la trilogie qui remonterait aux origines même de l'humanité. Comme on peut le voir là à gauche, tu vois, le code occulte, il y a un code caché dans Matrix. Mmh. Un code qui est mais très très bien caché. C'est-à-dire que si on n'est pas un petit peu... s'il n'y a pas quelqu'un qui nous montre ce code, comme le disait Léonard de Vinci, on ne peut pas le voir. Oui. C'est impossible. Si on n'est pas initié en fait, à ces choses-là... C'est ça, si on n'a pas certaines connaissances... Pour faire ce décodage et puis ces similitudes avec des allégories comme Platon, etc., on passe à côté, quoi. On prend ça pour un film de science-fiction comme un autre, Superman ou... Exactement. Et j'en passe et on passe un bon moment dans une salle obscure et puis on en sort et puis on reprend notre vie. Voilà. Voilà. Alors que ce film parle de nous, donc, et ce code nous est destiné à tous. Après, c'est un choix. On a les mains libres, rappelle-toi, on a les mains libres. Hein. C'est le choix, on se libère ou pas. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui est arrivé au premier qui s'est libéré dans l'allégorie de la caverne. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un lui a parlé de ce code occulte. Ce code caché. Occulte veut dire caché. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas à avoir peur de ce mot-là. Ce mot, enfin, dans son premier sens. Hein. Après, tu sais très bien qu'il y a des sens cachés. Mais occulte veut dire caché. Rien de plus. Donc, et ça remonterait aux origines même de l'humanité, c'est-à-dire comme on le voit, dans c'est une caverne, et les gens sont en train de... Tu vois, c'est un puzzle qui est implanté dans la trilogie, et ce puzzle remonterait aux origines même de l'humanité, c'est-à-dire que c'est des gens, tu le vois, ils sont, c'est les humains de base, quoi, d'il y a 10 000 ans, quoi. Des cueilleurs, comment ils appellent ça, des cueilleurs... Oui, chasseurs-cueilleurs. Chasseurs-cueilleurs. Et nos ancêtres. Ils avaient déjà le code. Et oui. On sous-estime depuis toujours les connaissances et le savoir de ces soi-disant chasseurs-cueilleurs, mais je pense qu'ils en savaient beaucoup plus que nous. Je ne sais pas s'ils en savaient beaucoup plus que nous, mais ils en savaient beaucoup. Beaucoup, beaucoup, parce que c'est eux qui ont transmis, c'est eux les premiers qui ont transmis ce qu'ils ont reçu. De qui, de quoi? C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ben, on verra. Ben. Donc, il y a un secret dans Matrix, et ce secret, il est français. Donc, il y a une version occultée de Matrix, enfin, il y a un code caché, et donc c'est un secret dans Matrix qu'il y a, et ce secret, il est français. Et le Mérovingien en est la clé de ce secret. Et oui, parce que c'est vrai que... Alors, je crois que c'est dans le deuxième volet. Hein, Exactement.
En fait, il est la confirmation de ce secret. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à entrevoir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, quelque chose qui était caché, et pour confirmer cela, ils ont mis le mérovingien. Pour confirmer à ceux qui l'avaient vu que c'était bien ce qu'ils avaient compris. Ils avaient bien compris ce que c'était, ce qui était caché. Ah oui, d'accord. Donc, dans le premier volet, ils ont inséré ce code. Et pour confirmer ce code, pour ceux, comme tu le dis, qui l'avaient compris, le mérovingien arrive dans le deuxième volet. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui ? Et lui est au courant de la matrice. Eh ben oui. Bon, après, nous, on est français. Oui. Donc, nous, on comprend. Le mérovingien, ça nous parle de suite, surtout sur une chaîne comme la tienne, ou sur les chaînes qui te ressemblent, on va dire, qui font le même travail que toi. Nous, le mérovingien, de suite, ça fait tic dans notre tête. On se dit, oui, là, ils veulent nous parler de l'histoire de France, quoi. Voilà, l'histoire cachée. L'histoire cachée de la France. Et voilà, c'est Alexandre Adler qui le dit, là, historien et journaliste, qui est très connu, hein, qui est très médiatiquement très connu. Alors, dans sa présentation de son livre sur ce secret, Alexandre Adler, historien et journaliste, nous fait découvrir une histoire de France que l'histoire officielle mésestime ou cache. Et Alexandre Adler, c'est l'officialité. C'est intéressant pour nous, parce que c'est un visage, ce que j'appelle des visages amis. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un petit peu bon... qui nous traiterait un petit peu de complotiste ou un truc comme ça, bon, lui, c'est quelqu'un d'officiel. Et il a étudié ce secret, bien avant Matrix. Et il dit, dans la présentation de ce livre, de son livre, qui est Société secrète, il parle de ce secret qui est officiellement caché. Oui. Ou mésestimé. Allez, il est poli, il reste poli, il reste courtois. J'en parlais avec Didier Colac dans notre dernière vidéo, hein, par rapport... À Marie-Madeleine mise à l'index, on se rend compte que déjà, rien qu'au niveau de nos religions, enfin de notre religion, et déjà, on nous a caché pas mal de choses. Hein. Mais on est en plein dedans, en fait, avec Matrix. C'est ça. Avec le mérovingien, déjà, on capte déjà le message. Tu vois, je veux oui, dire. Oui, on le capte. La fameuse lignée voilà, mérovingienne. Voilà. On va y venir. Ouais. Donc, il y a le philosophe Ilie Düring. Encore une officialité. Enfin, c'est des sources officielles qui rapportent que les Wachowski ont toujours affirmé que leurs films sont de véritables jeux de piste. Oui, ils l'ont déclaré eux-mêmes, hein, qu'ils ont bourré de code leurs films. Exactement. Et bien sûr, on en vient à Paul George Sansonetti qui confirme. Il a été conférencier à la Sorbonne, hein, et il le confirme. Tout comme la réalité de Neo, Matrix est un leurre. Le film contient un grand nombre de données cryptées. Exactement. Un grand nombre, pas juste, tu vois, c'est énorme en fait, Matrix, c'est énorme. Apparemment, j'ai fait quelques fautes d'orthographe, tu m'entendras par ailleurs, j'en ai fait quelques-unes. C'est pas mon point fort, l'orthographe. Nous n'allons pas t'en tenir rigueur, Idriss, merci. Ne t'inquiète pas. Super, merci, c'est gentil. Donc il s'agit véritablement de craquer ou de casser un code dans Matrix, de déchiffrer tous les nombreux indices disponibles, et de venir à bout des énigmes parsemées au fil des épisodes, car c'est dans tous les films, en fait. Mais même, c'est au-delà des films de Matrix, c'est dans tous les films des Wachowski, en fait. C'est, tu vois, et quand on rentre dans ce décodage, on rentre dans un délire, quoi. On est prévenu, en fait. C'est dans Matrix, il y a une profusion de signes qui pousse au délire d'interprétation. C'est-à-dire que si on est rationaliste, on va être largué. Oui, il faut s'ouvrir... toutes les portes. Ah ouais, là vraiment, parce qu'on peut aller très très loin dans le délire, quoi. En plus, c'est un délire qui est fortement encouragé par les Wachowski eux-mêmes, ajoute Ilie Düring, qui est philosophe. C'est le philosophe qui a étudié le sujet dans un bouquin que j'ai cité juste auparavant, et qui est très conscient de ce code lui aussi. Et c'est un délire, on va rentrer dans un délire qui est fortement encouragé par les Wachowski eux-mêmes. Donc, ils sont complices, les Wachowski. Donc, Matrix est donc un complot. S'il y a un code caché, c'est qu'il y a un complot. Mais c'est un complot positif. Parce qu'il divulgue un secret qui concerne la liberté de chacun d'entre nous et qui touche à l'essence même de la vie. Un secret qui sauve. Alors, qui sauve de quoi ?
mais c'est un secret qui sauve, diffusé discrètement depuis des siècles et dans la plupart des civilisations. Et oui. Au travers de nombreux supports, je dirais, hein. Que ce soit des sculptures, des peintures, des romans, même des bandes dessinées, des films, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. Même des jeux de cartes, des jeux même, voilà. Le jeu classique, en fait, le code est partout, c'est ça. Alors, certains vont nous dire, oui, mais vous voyez vos trucs partout, mais non, c'est bien réel, quoi. Oui, et puis là, c'est l'officialité, quoi. Les Wachowski, il n'y a pas plus... les Wachowski, Matrix, c'est vraiment un film universel, quoi. Oui, c'est ça. Hein, on est d'accord, qu'on soit rationaliste, irrationnel, qu'on soit religieux, pas religieux, qu'on soit, tu vois, athée, Matrix... Il est fait pour toucher tout le monde. Voilà, et c'est ça, sa grande réussite. C'est la grande réussite de Matrix, qu'il a touché tout le monde, même les gens qui s'opposent. Exactement. Mais il y a une petite condition pour accéder au code que les Wachowski ont. D'ailleurs, ils ne sont pas tout seuls, en fait, les Wachowski. Parce qu'il y en a tellement. Et je pense qu'ils se sont fait aussi aider pour réaliser le film, hein, enfin, cette trilogie. Oui, mais pas que, parce qu'au-delà de la trilogie, il y a tous les autres films des Wachowski qui sont codés. Et au-delà, il y a Hollywood, c'est tout Hollywood qui est codé. Et là, forcément, il y a une équipe, c'est pas possible. Oui. Tu vois, c'est, on va le voir là. Je vous renvoie au livre d'Alan Duke qui est passionnant. si tu veux ajouter quelque chose, vas-y. Je te laisse continuer, t'inquiète, je vais rebondir dans pas longtemps. D'accord. Ok, d'accord. Donc, il y a une indication dans Matrix pour accéder au code. Il faut être comme Neo. Il faut avoir son état d'esprit. Si on veut être comme Neo, si on veut être un potentiel comme lui, il faut avoir son état d'esprit. Et on a cette scène dans Matrix où, je ne sais pas si tu te rappelles, avec les enfants, tu sais, et la fameuse cuillère. Chez l'oracle. Mmh. Chez l'oracle, voilà, exactement, chez l'oracle. Et c'est une scène, bon, comme on peut le voir avec l'enfant, qui peut renvoyer aux philosophies d'extrême-orient. Mais nous, on n'est pas des extrême-orientaux. Nous, on est des occidentaux. Et nous, ça nous parle, parce que nous, ça nous renvoie à la tradition occidentale. Et là, une mère avec son enfant, ça nous rappelle Marie avec son enfant, donc à Jésus, au christianisme. Tu vois ? Et ça nous renvoie spécifiquement à un verset dans la Bible qui dit que Jésus disait des enfants, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et je te rappelle que potentiel, dans potentiel, il y a pot-en-ciel. On est aussi dans la langue des oiseaux, là. Exactement. Et donc, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Et un enfant, quand on observe un enfant, ça ne triche pas. Un enfant, ça n'a pas de préjugés. Et un enfant, c'est extrêmement curieux. C'est ça. Donc, voilà, pour arriver à percer ce mystère, il faut rester dans un esprit d'enfant, comme tu le dis. Exactement. Ne pas tricher, ne pas avoir de préjugés. Mais aucun préjugé, avoir cette curiosité et voilà, être largement ouvert d'esprit. Et c'est et les enfants ont une telle curiosité qu'elle peut, tu sais, tu le vois bien, qu'elle peut mener à la mort des enfants. Tu sais, les enfants, des fois, bon, voilà, ils sont tellement curieux que bon, ils peuvent se brûler, comme je te disais, sur une gazinière, mais ça peut les tuer. Par exemple, ils vont dans une piscine, ils vont mourir. Oui, voilà, la curiosité de l'eau, ils vont tomber, se noyer, et malheureusement. Voilà. Et c'est ce qui arrive à Néo, il meurt. Sa curiosité le mène à la mort, il meurt. Hein. Le mène à la mort, oui, quelque part, lorsqu'il prend la pilule rouge, il meurt. Ouais, en fait, il veut savoir ce que c'est que la matrice. Donc il... Non, mais à la fin, tu sais, quand il est tué par... Ah, excuse-moi, oui, à la fin, tout à la fin, lorsque il se retrouve face à cette IA. Ouais. Non, dans le 1, c'est... Dans le 1, qu'est-ce qui se passe? Ah, il meurt une première... Oui, il meurt... Oui, exactement, il se fait tuer par, par les agents de la Matrice. Tout à fait. Et c'est Cypher qui traite, le traître qui fait que... Ça nous rappelle un peu... Judas. Les 12 apôtres, tu sais, le traître... Judas. Judas, voilà, exactement, ça nous rappelle Judas.
qui a trahi Jésus, et voilà. Et donc, on commence un petit peu à gratter le truc. On va rentrer tout doucement là-dedans, vous allez voir que oui, il y a une énorme similitude entre Néo et Jésus. D'accord. Et donc, voilà, donc on voit la scène, là, et on voit qu'à l'écran, en bas, je ne sais pas si tu la vois, il y a des lapins dans le... Eh oui, quand tu m'as envoyé tes slides pour préparer l'émission, j'ai dit, ah oui, ça, je suis passé à côté, celui-là, ce petit code-là. C'est vrai qu'il y a des lapins blancs. Il y a des lapins, et il y a un œil. Il y a un œil, tu as vu, le petit enfant avec la cuillère. Oui, qui se cache un œil pour laisser apparaître un autre œil. Mmh. Ça nous renvoie à quelque chose de... Enfin, ça veut dire, déjà, ils nous disent d'ouvrir le bon œil pour accéder au code, mais ça nous renvoie aussi à une information, c'est que la trilogie Matrix est une trilogie maçonnique ou assimilée. Il y a beaucoup de codes maçonniques aussi dans Matrix, exactement. Tout à fait. Mmh. Et donc... Je ne sais pas si tu l'avais mis dans tes slides, mais c'est vrai que quand Neo retrouve pour la première fois Morpheus, et lorsqu'il prend la pilule rouge, le sol dans la pièce dans laquelle ils sont est en damier noir et blanc. Voilà, donc... damier donc, maçonnique. Oui, mais ça interroge, c'est-à-dire qu'on est quand même fan de l'esprit maçonnique. Oui, mais... Souvent, on considère les francs-maçons côté satanique, diabolique, mais je pense qu'il y a, comme dans toute chose, il y a du bon et du mauvais. Mais comme dans toute chose, parce que t'es fan de Star Wars ? Ah bah oui, Star Wars, tiens, j'ai mon petit R2-D2 là qui nous accompagne, tu vois. On y viendra tout à l'heure, R2-D2 si on a le temps, mais c'est maçonnique. T'es fan de Stanley Kubrick ? Oui, entre autres, hein, avec... C'est maçonnique. Le film que je préfère de lui, c'est... où il se retrouve dans cet hôtel abandonné, là. Shining, voilà. Tout ça. Il y a des petits clins d'œil avec les missions Apollo, etc. Enfin, bon, voilà. Ça, c'est un autre sujet aussi. Comment on dit, un enfant ne triche pas. Donc, on ne triche pas. Matrix et Hollywood, c'est maçonnique et assimilé. Mm-hmm. Et donc, il ne faut pas avoir de préjugés. C'est là où le travail... En fait, on est en train de commencer le travail. C'est, tu vois ? C'est ça. Il ne faut pas avoir de préjugés dans ce qu'on voit, parce que sinon, le code de la matrice nous échappe. Oui, il ne faut pas... Faut se déformater, en fait. Il faut se déformater de tout. Malheureusement, il y en a, ils sont tellement formatés qu'ils resteront toute leur vie dans ce cocon. Mais c'est ce que dit le film, en fait. Hein. C'est ce que dit le film. Et même au-delà, hein, tu verras, même au-delà du film, hein, c'est que... il faut se déformater de tout préjugé. Parce que sinon, voilà, la curiosité, elle est bouffée. On ne peut pas aller au-delà de... Tu vois, si on a, en fait, les préjugés bloquent la curiosité. Et on ne peut pas voir au-delà de ce qui est de l'illusion, en fait. Oui, on n'aura pas cet esprit curieux. On va dire, mais non, mais tout ça, c'est des foutaises. Chut, hop, oui. Autre chose. Je reviens à ma vie classique. Oui, mais même en jugeant aussi. Tu sais, dans la Bible, il y a un truc intéressant parce que, tu vois, on en revenait, tu sais, parce que cette scène renvoie à la Bible. Mais il y a un texte dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est « Ne juge pas, car viendra... » Je crois que c'est dans Matthieu, je crois. « Ne juge pas, car viendra le jour où tu seras jugé comme tu as jugé les autres. Hein » Et ce jour, je sais quand il arrive. Hein. C'est le jour où on quitte la matrice. Voilà. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui voilà, se passe ouais. Eh ben, on se juge soi-même. Alors, on n'est pas jugé, hein. On se juge soi-même de toutes ces actions que nous avons eues dans notre vie. Et là, ça fait mal. Parce que quand vous êtes vous-même votre propre juge, fois, on n'est pas très fier de ce qu'on a fait. Il n'y a plus de triche, là. C'est ça, il n'y a plus de triche. Donc le Mérovingien apparaît dans l'épisode 2. Mm-hmm. Dans Matrix Reloaded. Et il faut savoir qu'au début des années 2000, tu vois, pour te dire qu'on peut être dans l'illusion sans le savoir, au début des années 2000, la France est très mal vue aux États-Unis. Parce qu'elle a pris, elle a pris une position. Jacques Chirac, il a pris une position contre la guerre en Irak. Et cette guerre en Irak, elle était en riposte au 11 septembre. Sauf que Jacques Chirac et la France avaient pris position parce que, à l'époque, la France avait dit non, ça n'a aucun lien. L'Irak n'a rien à voir dans ses attaques du 11 septembre. On avait déjà compris à l'époque que c'était un attentat sous fausse bannière, comme on dit.
Alors, il y a plusieurs versions. Comment on appelle ça, je me fie à l'officialité. Et il y a eu un documentaire qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Je ne sais pas si tu te rappelles, il a eu une Palme d'Or et qui soulignait les liens entre la famille Bush et la famille Ben Laden. Exactement. Ah, je ne me souviens plus du réalisateur. Comment il s'appelle ? Tu te souviens plus du nom ? Michael Moore, oui, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, en fait, que les Américains savaient et qu'ils ont laissé faire. Bah, il faut savoir que la famille Ben Laden était très amie avec les Bush. Voilà. Et que le jour du 11 septembre, tous les avions étaient cloués au sol. Il n'y a eu qu'un avion qui a eu le droit de repartir, c'est celui avec toute la famille Ben Laden. Bon, cassez-vous. Ouais. Partez vite, on n'a pas vu. Et là, on est dans l'officialité, parce que c'est un prix, c'est un documentaire qui a eu un prix à Cannes, hein, qui a eu, je crois, une palme ou un truc comme ça, il me semble. Mm-hmm. Qui a été nominé, c'est sûr, et il me semble qu'il y a eu une palme. Et moi, je t'avais parlé de ce livre, Le procès du 11 septembre. Oui. Qui est très, très intéressant aussi. Où là, c'est comme si on savait que c'était les Américains qui avaient fait le coup et on les met face à toutes les preuves qui ont été accumulées. Et bon, il m'a décoiffé ce bouquin. Après, voilà, il y a plein de versions. Après, c'est ça. Le truc, c'est que, bon, voilà, on sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'un jour on le saura, hein, mais c'est un peu comme JFK, tu vois. Il y a des doutes sur l'assassinat de JFK. Mais voilà, bon. Et ce qui est intéressant, c'est que cette date apparaît dans le film Matrix. C'est connu. Oui, je ne l'ai pas mis dans le slide, là. Ah bah, je vais en parler, hein, parce que voilà, le fameux 11 septembre 2001, parce que c'est dans le premier volet, au début du film, lorsque Neo se fait arrêter par les agents Smith, par les agents, et il y a l'agent Smith qui ouvre son dossier, et on voit sa pièce d'identité, et il y a des petits malins qui ont fait arrêt sur image et qui ont retourné l'image. Et lorsque je la mettrai à l'écran, hein, et lorsque vous regardez la date d'expiration de la pièce d'identité de Neo, le 11 septembre 2001, alors que le film a été réalisé, enfin a été tourné dans les années 98, il est sorti en 99. Donc voilà. Alors, hein, pour ceux qui vont se dire, mais non, mais ça c'est un pur hasard, essayez de calculer entre le 11 septembre, donc sur une chance sur 30, 31 jours, sur le septembre, hein, une chance sur 12 mois, et puis 2001, voilà, une chance sur je ne sais pas combien d'années. Pourquoi ils ont claqué cette date sur le passeport de Neo ? Elle interroge cette date. Après, bon. Là, moi, comme le dit l'oracle, elle m'a mis le cerveau en ébullition. Oui, mais après, il y a un truc qui va pas dans ce sens-là, c'est que la police aux États-Unis, c'est le 9/11 aussi, c'est le 911. Oui, ah mais il y a une palanquée de. Donc des gens qui utilisent le code de la matrice, tu vois ce que je veux dire, mais qui vont pas dans la même. Enfin, tu vois ce que je veux dire, est-ce que c'est peut-être c'est un pur hasard, parce que ce 9/11 veut peut-être dire quelque chose que nous, oui. Auquel on n'a pas accès, tu vois. Je pense que cette date avait été choisi depuis très longtemps, alors d'accord. 2001, peut-être 2000, peut-être après, mais comme tu dis, le 11 septembre, le 9/11, on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de films. D'ailleurs, je prépare une petite émission sur Retour vers le futur, où c'est pareil, c'est bourré de codes rapport au 11 septembre. On en reparlera. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un code qui a dans je ne l'ai pas mis dans le slide, mais il y a un nombre qui apparaît dans Retour vers le futur clairement, et dont je vais parler après, plus tard. Un nombre important, en fait. Mmh. Et donc, les Français sont mal vus. Ils sont tellement mal vus que les acteurs, quand ils sont choisis, les acteurs, on leur donne des rôles de traîtres, de méchants, de fourbes. Tu vois ? À cette époque-là, les États-Unis étaient tellement en colère contre les Français que, voilà, ils représentaient le Français. Voilà, quelqu'un le traître. C'était le fourbe. Et le pic a été atteint avec Lambert Wilson dans le rôle du mérovingien. C'est-à-dire que même les Wachowski n'ont pas échappé à ça. Ils ont mis un Français méchant. Mais, et c'est là où... parce qu'à l'époque, en France, on était colère. Hein, on l'a fait remarquer, Lambert Wilson, le rôle du méchant et tout. Mais ce que les gens n'ont pas vu, c'est que ce personnage était à double sens. C'est-à-dire que c'est pour mettre le doigt sur la France. Exactement. C'est-à-dire que les Wachowski nous disaient
Il mettait le doigt sur la France. Parce que c'est en France que tout commence. Mmh. C'est en France que tout commence. Parce que c'est en apparence seulement. Il est méchant, hein, mais c'est en apparence seulement. Parce que nous, le mérovingien, de suite, ça nous renvoie au mérovingien. Et donc à des secrets religieux. Et comme j'ai dit, Matrix casse un secret français. Et je sais que la France a un rôle très très important par rapport à l'histoire de l'humanité et par rapport à ce qui va venir dans les années futures. Oui, et c'est tellement vrai que, bon, je sais pas, c'est pas le moment d'en parler, mais... Ah oui, on peut faire des écarts. On se dit, voilà, on s'autorise tout aujourd'hui. C'est ce qu'il y a d'étonnant, c'est que la France apparaît partout, d'une certaine manière, de manière codée, dans tous les films français, pardon, les films américains. La France apparaît partout. D'une certaine manière, tu verras, on verra un peu plus loin. C'est-à-dire que même s'ils sont en colère contre les Français, mais ils signifient toujours que c'est en France que tout commence. Si on comprend la France, on comprend beaucoup de choses. Son histoire, hein, son histoire cachée, son histoire secrète. Donc nous, le mérovingien, de suite, ça nous renvoie au secret religieux. Et en fait, dans Matrix, quand ils mettent le mérovingien, c'est une allusion à la France et à son histoire mystérieuse et secrète qui est faite directement. Donc il apparaît pour la première fois dans Matrix Reloaded et première coïncidence dans le Da Vinci Code. Le Da Vinci Code est publié la même année que Matrix Reloaded. D'accord, le second volet, d'accord. 2003. Donc, il y a bien un complot. Si on fait apparaître... Le mérovingien dans ce second volet qui sort la même année que le Da Vinci Code, qui nous parle de ce secret religieux, voilà. Il y a quelqu'un qui complote. Mais je le rappelle, c'est un complot positif. C'est un complot constructif. Et je pense que c'est ce complot auquel on devrait tous, moi personnellement, sur lequel on devrait tous se concentrer. Parce que c'est le plus important, en fait. Oui. Parce que tout le reste n'est qu'illusion. Si on reste dans la thématique de Matrix, de l'allégorie de la caverne, de Léonard de Vinci, de René Guénon et des alchimistes comme Jaber et Nhayen, tu vois, tout le reste n'est qu'illusion. C'est un détournement de la pensée. C'est ça. Voilà, donc il est aussi. En fait, on va aller de coïncidence à coïncidence, de coïncidence en coïncidence, pardon. Durant cette émission. Et donc, il est question de mérovingien dans les deux. Et en effet, le mérovingien, en fait, parce qu'il est question de christianisme dans Matrix. Eh oui, on va en parler, j'espère. Mais On peut en parler dès maintenant, parce que... Je ne sais pas si tu as préparé par la suite des slides pour faire cette comparaison. Mais bah, en effet, alors moi, j'ai pris quelques notes. Vas-y. Par rapport justement au décodage des personnages. Mmh. On va commencer par Néo. Déjà, Néo, hein, c'est l'anagramme de Noé. Déjà, petit clin d'œil biblique. Et il est considéré comme l'élu, donc un petit peu comme Jésus. Hein, on est d'accord. Et dans son nom dans le film, c'est Thomas Anderson. Donc déjà, Thomas, pour moi, c'est rapport à Saint Thomas. Hein. Je ne crois que ce que je vois. Et puis Anderson, vous pouvez penser à Anderson, S-U-N, hein, donc sous le soleil. Et faut savoir que Jésus, c'est une allégorie. Donc, je reprends, Néo est une allégorie de Jésus, qui est une allégorie d'Horus, qui pour moi était une allégorie du soleil. Et il y a cette scène... où il est avec Trinity, hein, ils sortent de la Terre, là, et à un moment, ils percent les nuages, ils se retrouvent face au soleil, et cette scène, voilà, ils sont émerveillés de voir ce soleil qu'ils n'ont jamais vu, en fait, le vrai soleil, voilà. Quoi. Ouais, et t'as vu comme dans l'allégorie de la caverne, le soleil. C'est ça, voilà, le soleil, voilà, ils sont sortis de la caverne, et ils voient enfin le vrai soleil, quoi. Et on est bien dans le christianisme, hein, entre autres, parce que c'est pas exclusif, hein, il y a beaucoup de philosophies, il y a beaucoup de religieux, et c'est pas exclusif. Mmh. On retrouve des références aux religions d'Extrême-Orient, c'est sûr. Mais nous, on est des Occidentaux. Je rappelle, moi, je m'appelle Idriss, je suis d'origine africaine, et l'Afrique est en Occident. L'Afrique n'est pas en Orient. Oui, c'est ça. On est d'accord. Et même le Moyen-Orient, il est à l'Occident
de la Chine, de l'Inde, tu vois, et de l'Extrême-Orient, en fait. Donc, ce qui nous concerne, nous, c'est plus le christianisme, en fait. Parce que le code de la matrice est aussi dans le christianisme. Et donc, en effet, le Mérovingien, il matérialise le christianisme. On est dans le christianisme. Jésus, donc, Néo est appelé Thomas Anderson. Anderson veut dire le fils de l'homme, dirait Paul George Sansonetti, le fils de l'homme. Mais Anderson, c'est aussi une des quatre personnes qui a créé la franc-maçonnerie en Angleterre en 1717. D'accord, je ne savais pas. Ok. Ouais, donc, on met une petite couche. Allez. Voilà. Une petite couche maçonnique. Une petite couche maçonnique. Pour bien confirmer qu'on est bien chez les francs-maçons, ou assimilés, parce que je dis francs-maçons, mais ce qu'il faut, c'est autre chose. Tu vois, assimilés, on va dire, quoi. Donc, on est bien dans le christianisme, on est bien dans un néo qui est une référence à Jésus, on est d'accord. Mais, nous, le mérovingien, c'est autre chose. Ça nous renvoie donc au Da Vinci Code et à un autre christianisme. Mmh. Il faut prendre conscience que le mérovingien, c'est un panneau de signalisation. Mmh. Il indique, avec d'autres protagonistes, comme on peut le voir, là, en bas, il y a Néo, il y a Trinity et il y a Époque. Mmh. Ils indiquent une direction à suivre, mais une direction alternative, un christianisme alternatif, qui est en fait celui qui est aussi diffusé par le Da Vinci Code. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Matrix, c'est un Da Vinci Code avant le Da Vinci Code. Donc, c'est vers ce livre, vers le Da Vinci Code, que les Wachowski veulent qu'on se tourne, mais surtout vers la thèse alternative du roman sur la vie de Jésus. Les Wachowski, ils nous disent « intéressez-vous à ça ». C'est-à-dire que Jésus aurait épousé Marie-Madeleine qui aurait porté leur enfant. Je vous renvoie à l'émission que j'ai faite avec Didier Coilac, la toute dernière sur Horus. Donc c'est marrant, hein, est dans la continuité, Idriss. Voilà. Matrix sort avant, mais Matrix 2 nous dit, voilà, il sort en même temps que le Da Vinci Code, et il nous dit c'est par là qu'il faut regarder. C'est par là qu'il faut creuser, bien sûr, hein, parce qu'il faut creuser, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est en France que tout commence, et en France, dans le Da Vinci Code, Sarah, c'est la fille de Marie-Madeleine et de Jésus. Oui. Mais pas en France. En France, Sarah, c'est la servante de Marie-Madeleine. Ce n'est pas sa fille. Dans quel écrit ? Alors, je ne pourrais pas te le dire, parce que je n'ai pas mis de... Mais comment on appelle ça ? Dans les légendaires provençales. D'accord. Parce qu'en fait, le fait qu'elle soit la fille de Marie-Madeleine, je crois que c'est une création anglo-saxonne. D'accord. Je crois qu'il faut aller voir du côté de... Il est passé il n'y a pas longtemps chez toi, du côté de chez Christian Doumergue. Oui. Et tous les gens qui travaillent dans ce sens-là, moi j'ai entendu, enfin j'ai lu et j'ai entendu, alors je ne l'ai pas mis, mais ben, je pourrais le remettre à un autre moment, si on me le demande, c'est que dans le légendaire français, ce n'est pas sa fille. Elle a trois origines, Sarah. Elle est venue avec... Elle est venue avec Marie-Madeleine. Avec Marie-Madeleine en tant que servante. En tant que servante, mais elle a trois origines, Marie-Madeleine. Elle est soit du coin, soit d'Égypte, soit d'Inde. Comment pourrait-elle être sa fille si elle a trois origines différentes ? Mais là, on est en train de nous dire quelque chose. Trois origines différentes. C'est-à-dire qu'il faut regarder... Il y a une symbolique derrière tout ça. Voilà. Mais en plus, voilà, il y a aussi une symbolique, mais il y a aussi... On est en train de nous dire quelque chose. L'Extrême-Orient, l'Afrique, l'Europe. Il y a des choses qui se passent. Donc nous, on sait qu'avec le Da Vinci Code, bon, on va rester dans la version de Da Vinci Code, que Marie-Madeleine a reçu un enseignement secret de la part de Jésus qui pouvait avoir des incidences politiques et religieuses. Et ce qui fait d'elle l'apôtre des apôtres. C'est, en fait, Marie-Madeleine, au-delà d'avoir été son épouse, en fait, elle a été sa... Son disciple par excellence, préféré. Il a choisi Marie-Madeleine, il a choisi une femme. Et c'est elle qui a reçu le véritable enseignement. Ouais, tout à fait, on va le voir un peu plus loin. Exactement, le véritable enseignement. Mais comme c'était une femme, elle a été un petit peu mise à l'écart, la pauvre. On va dire ça comme ça.
Et donc, Jésus dispense un enseignement confidentiel et intime qui était réservé à des disciples privilégiés, hommes ou femmes. Donc, ça confirme ce que tu dis. Mmh. C'est-à-dire qu'on pouvait être ou un homme ou une femme et accéder à la connaissance secrète de Jésus. Mmh. Et supérieure. Alors que certains apôtres, tels que Pierre, hein, nous disaient « c'est une femme, elle n'a pas à être là et à recevoir, elle n'est pas digne de recevoir ton enseignement. » Tout à fait. Mmh. Alors que c'est elle qui a reçu l'enseignement par excellence. Et sachant que c'est Pierre qui, derrière, a créé les bases de la religion chrétienne, bon ben bah, voilà. Voilà. On se dit c'est un misogyne qui a tout créé, donc il a mis à l'écart ce qui ne l'arrangeait pas. Exactement, et tu remarqueras que Pierre n'apparaît pas dans Matrix. Oui, exactement. Donc, voilà. Et donc il y a des des sources de l'époque qui nous disaient bien que les textes sacrés de l'époque, la Bible, les évangiles, avaient un sens caché. Par exemple, il y a Origène qui est le père de l'exégèse biblique, qui disait « Les évangélistes ont gardé caché l'explication que Jésus donnait de la plupart de ses paraboles. » C'est-à-dire que pour lui, il y avait deux sens, un sens accessible à tous et un sens caché. Mmh. Il était tellement hétérodoxe qu'ils l'ont éjecté, Origène, à l'époque. Il y a Philon d'Alexandrie, philosophe juif hellénisé, qui disait « Rares sont les hommes aux oreilles déployées qui sont susceptibles d'entendre et de comprendre. » Donc c'est un philosophe juif hellénisé. Mmh. Et ça renvoie à cette scène, tu sais, de Néo et... Trinity, quand elle le rejoint. Quand elle le rejoint. La première fois. Mmh. Dans une espèce de boîte de nuit, tu sais. Dans la discothèque, là. Mmh. Voilà. Et elle lui parle à l'oreille. Parce que, tu sais, le lapin, tu vois, il y a le lapin, là. Mmh. En fait, le lapin, il a les oreilles. Voilà, c'est ça. Écoute ce que je vais te dire. Voilà, voilà, écoute bien. Et les premiers chrétiens étaient enseignés de bouche à oreille. Mmh. Il n'y avait pas d'écrit au début. C'est-à-dire qu'on enseignait de bouche à oreille, mais peut-être aussi pour pas que le secret soit diffusé. Pour garder le secret, exactement. Exactement. Mmh. Et Clément d'Alexandrie, qui est lui père de l'Église, il affirme ça, il dit bien qu'il y a bien quelque chose de caché, parce qu'en citant l'évangile de Matthieu, il dit « Il n'est rien de caché qui ne doit être mis au grand jour, rien de secret, on parle du secret, tu vois, qui doit être révélé, et les secrets seront dévoilés à quiconque les écoute en secret. » Et là, on est dans une cave, dans Matrix, au début. Et Trinity lui révèle des secrets à l'oreille. Ce qui est secret pour la foule sera manifesté au petit nombre. Et Néo fait partie du petit nombre. Mmh. Ses oreilles sont prêtes à entendre un message occulté qui permet d'accéder au sens véritable de la réalité. Marie-Madeleine Davy, philosophe sur ce thème, elle a étudié ce thème, elle disait « La foule n'est pas apte au déchiffrement des connaissances cachées et elle ne s'en soucie guère. » Ça, on l'a bien constaté. Voilà. Donc, en fait, cette scène renvoie aux premiers chrétiens qui étaient enseignés de bouche à oreille et de façon très discrète. Mmh. Et tu remarqueras que c'est une femme qui enseigne Néo. Et oui. Tu remarqueras que c'est une femme. Voilà. Comme Marie-Madeleine qui a perduré cette connaissance occulte, certainement en France. C'est pas certainement, c'est sûrement même. Voilà. Je parle toujours avec des guillemets, hein, voilà. Je n'affirme rien. Que chacun prenne ce qu'il a envie de prendre. T'as raison, il faut être dans le conditionnel, c'est vrai. C'est ça, dans le conditionnel, je cherche. Parce que là, c'est vrai, on avance de coïncidence en coïncidence. Et t'as raison, il faut être dans le conditionnel. Donc, Jésus Marie-Madeleine a reçu de Jésus une doctrine cachée. Et ce qu'on aimerait bien savoir, c'est quelle est cette doctrine cachée et secrète réservée à quelques-uns sur notre terre. Et oui, c'est ça. Ce que tout le monde va te demander, Idriss, c'est quoi ce secret? On veut le savoir. Secret de Polichinelle, bon, on continue. Bah, on y va. En 1945, découverte d'une bibliothèque de livres à Nag Hammadi, en Égypte. C'est une bibliothèque de livres apocryphes, c'est-à-dire les évangiles apocryphes. Parmi eux, l'évangile de Thomas. Il est important parce que c'est vers ce livre que nous dirige Matrix. Thomas Anderson. Voilà, Thomas Anderson. Donc,
Le livre apocryphe de Thomas, c'est la marque d'un christianisme très ancien qui a disparu depuis et avec lequel l'Église est entrée en opposition frontale. Et pour c'est cause. C'est pour ça qu'on appelle ça des évangiles apocryphes, qui n'ont pas été reconnus par l'Église. Exactement. Et donc, comme on peut le voir sur à droite, dans la matrice, Néo se prénomme Thomas. Mmh. Et époque, en anglais, c'est l'abréviation du mot apocrypha, dans ce contexte-là. Mmh. Et donc, comme le mérovingien, ils sont des panneaux de signalisation, et comme le mérovingien, ils indiquent une direction à suivre. Donc, et la direction, c'est la liberté. Mmh. Ça concerne la liberté de chacun. Et dans l'évangile de Philippe, l'évangile apocryphe de Philippe, il dit « Si vous connaissez la vérité vous rendra libre. L'ignorance, c'est l'esclavage. Et la connaissance, c'est la liberté. » Il nous faut connaître quelque chose. Donc la connaissance, en fait, en grec, c'est la gnosis, ce qu'on appelle les gnostiques, en fait. Les chrétiens gnostiques, pour être... Les chrétiens gnostiques, c'est de ça. De l'époque. Mmh. Et c'est avec elle que l'Église est rentrée en conflit direct, avec les chrétiens gnostiques, parce qu'ils ne pensaient pas du tout pareil. Ils avaient une autre façon de voir cette religion, cet enseignement de Jésus, quoi. Tout à fait. Et il y a un truc, il y a un visage ami, parce que j'appelle ça les visages amis, tu sais, l'officialité, tu sais. C'est le psychanalyste Carl Gustav Jung, je ne sais pas si tu connais. Un grand psychanalyste, psychiatre, enfin un des créateurs de cette discipline, quoi. Tout à fait. Et c'est intéressant, parce que tu sais que dans ces livres qui ont été découverts en Agamati en 1985, un des livres porte son nom. On appelle ça le Codex de Jung, parce que c'est quelqu'un qui a étudié les écrits gnostiques et la gnose, dans son sens le plus large, toute sa vie. Mmh. Et cette façon de voir les chrétiens gnostiques de l'époque l'a influencé aussi dans ses travaux. Mmh. C'est la philosophe Françoise Bonnardel, il me semble, qui a écrit un bouquin sur... Françoise Bonnardel, eh bien, écoute, je crois qu'elle va faire partie des intervenants du festival, je fais une petite aparté, du festival de la merveille et des mystères qui aura lieu samedi, week-end prochain, auquel je participe avec Antoine. Voilà. D'accord. Petite pub au passage, voilà. Et Françoise Bonnardel, tout de suite, ça a tilté, elle va faire partie des conférencières. Ben, tu fais bien. Elle a écrit un livre sur Carl Gustav Jung et la gnose. Et la gnose, c'est un mot qui veut dire, enfin, qui vient de gnosis, qui veut dire connaissance. Et les gnostiques avaient une particularité, c'est qu'ils se considéraient comme les seuls héritiers de l'enseignement de Jésus. Mmh. Ils se présentent comme les gens élus. Dans Matrix, il est beaucoup question d'élus. Eh oui. Il rejette toute hiérarchie ecclésiastique. Mmh. Donc, ils sont anti-cléricaux, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et le salut qui sauve ne vient pas de la mort et de la résurrection de Jésus, mais il vient de la gnose, de la connaissance. Donc, c'est une connaissance qui sauve, comme on peut le voir... Et ça renvoie justement à l'allégorie de la caverne, parce qu'en fait, c'est l'ignorance qui fait que les gens sont enfermés dans la caverne. C'est l'ignorance. Et par opposition, c'est la connaissance. D'ailleurs, il y a une question d'esclavage, tu as vu dans l'évangile de Philippe. Mmh. C'est la connaissance qui libère. Oui. Le fait de comprendre que nous vivons dans une matrice, ça libère beaucoup de choses. Enfin, moi, tout en tout cas, de mon côté, ça m'a libéré beaucoup de choses. Comment il s'appelle, le philosophe Platon avait aussi une vision gnostique du monde. Il a écrit là-dessus un petit peu. Donc, voilà. Donc, il y a eu des universitaires qui ont écrit sur Matrix. Et qui affirme que les références chrétiennes du film prennent tout leur sens lorsqu'elles sont examinées dans la perspective du christianisme gnostique. Et je rappelle, le christianisme gnostique, c'est par la connaissance qu'on est sauvé et non par la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire qu'on se sauve soi-même. C'est un peu l'image, on en revient à l'allégorie de la caverne, pardon.
c'est que dans la caverne, on a les mains détachées. On se sauve soi-même, en fait. Donc nous sommes libres de nous sauver nous-mêmes, si nous voulons. On peut se détacher de nos liens et sortir de cette caverne. Par la connaissance. Par la connaissance. Par la connaissance. Et donc, deux universitaires aux États-Unis ont écrit dessus, c'est Rachel Wagner et France Flannery Daley. Tous les deux professeurs associés dans des universités aux États-Unis. Je pourrais donner les sources si les gens le désirent. Quoi. Donc, on en vient à cette scène dans Matrix. Oui, que j'ai failli te spoiler tout à l'heure. Excuse-moi. Voilà. On en vient à cette scène très importante. C'est sur la mort et la résurrection de Jésus. Donc, cette scène, elle est plutôt connue. Et t'as vu, c'est intéressant. Et il y a un dialogue entre les personnages, entre Néo et les gens qui viennent le voir. Et en plus, Morpheus met le doigt là-dessus parce qu'il est à ce moment-là, il est en train de parler avec Morpheus sur son ordi. Et Morpheus lui dit toc toc Néo. Et à ce moment-là, hop, ça claque à sa porte. Donc il y a un message qui va arriver. Fais bien attention, écoute bien ce qui va se passer. Enfin, regarde bien tout ce qui va se passer. Mais c'est aussi adressé à nous. Oui. Toc toc Néo, mais c'est le Néo en nous. Écoute bien ce qui va se passer, ce qui va être dit ici. Mm-hmm. Et donc Néo, il ouvre la porte et il y a deux personnages. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a deux importants dans ce dialogue. Il s'appelle dans le texte, pour le garçon, choix, et pour la demoiselle, du jour. Donc, ah oui. Il est face à un choix du jour. Tout comme dans l'allégorie de la caverne, on est face à un choix quand on a les mains détachées, de se libérer ou pas. Là, il est face à un choix. De se libérer ou pas aujourd'hui. Mmh. Et donc, dans le dialogue, il lui dit, choix, il lui dit, tu es mon sauveur, tu es mon Jésus-Christ à moi. Oui, et là, tout est dit. Et oui, mais il faut pas. Et donc, c'est un produit, Néo propose un produit illicite, subversif, transgressif. Mmh. Quelque chose voilà, qui est interdit, quoi. Qu'il ne faut surtout pas, tu m'oublies, quoi. Hein, c'est exactement. C'est quelque chose qui est interdit, qui est caché, qu'il ne faut pas dire, mais qui est dit, là. Mmh. Il lui dit, tu es mon sauveur, tu es mon Jésus-Christ à moi. Et là, Néo, le couple, il dit, mais si on te voit te servir de ça, nous, on croit qu'il parle du produit, mais en fait, il parle de ce qu'il vient de dire. Tu es mon sauveur, mort et ressuscité, tu es mon Jésus-Christ. Et il lui dit, si on te voit te servir de ça, et là, l'autre, il lui répond, choix, je sais, t'inquiète, ça n'a jamais eu lieu et tu n'existes pas. Ça veut dire que la mort et la résurrection de Néo, donc de Jésus, n'a jamais eu lieu et tu n'existes pas, ça veut dire que tu es mort. Comme dans le Da Vinci Code, tu es mort comme un simple mortel. Comme un simple mortel, tu n'as jamais ressuscité. Tu n'as jamais ressuscité, en fait. Pas de la manière littérale, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, on est bien chez les chrétiens gnostiques, en fait, dans Matrix. On n'est pas dans un christianisme traditionnel, romain et catholique. C'est ça. Et c'est pour ça que certains sont passés à côté de tous ces petits codes. Et merci à toi, Idriss, de nous les faire voir. Ouais, mais je t'en prie. Après, bon, ça n'est que mon point de vue. Hein. C'est pas, j'affirme rien. Hein. Je dis juste, voilà. On reste dans le conditionnel, comme on l'a dit. Mais bon, pour moi, ça me parle énormément. Quoi. Voilà, et ça doit parler. J'espère que ça parlera à beaucoup de gens qui verront cette vidéo. Et rappelons que, quand même, c'est le point de vue de Marie-Madeleine aussi. Quoi. C'est tout le légendaire. Du sud de la France, c'est un christianisme qui est, encore une fois, ça renvoie à la France. Parce que c'est en français dans le texte. Il s'appelle choix du jour. Oui. C'est-à-dire qu'en anglais, il s'appelle choix du jour. Donc ils ont encore mis le doigt sur la France. France quoi. Exactement. Ben oui, ils pointent toujours vers la France. Oui. Toujours. Parce que c'est en France que tout commence. Allez, je continue. Donc, on va prendre un exemple. Parce qu'il y a tellement de codes dans Matrix qu'on est obligé de prendre un petit exemple pour faire une démonstration. Mmh. Je veux dire, et l'exemple qu'on va prendre là, c'est, on va prendre l'exemple justement qui a été utilisé, c'est l'évangile de Thomas. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le code de la Matrice, les nombres ont aussi leur mot à dire. Eh bien, tu vois ? Puisque c'est la trame de fond de la matrice, hein. c'est des codes, des chiffres, des lettres qui défilent. Donc on se dit, il faut prêter aussi une importance au nombre. Mais je crois que c'est surtout qu'il faut, enfin pas que... Enfin au nombre et au chiffre. Mais les nombres c'est très très important. Parce que regarde ce qu'il dit Saint Augustin, il dit la sagesse divine se reconnaît au nombre. Il y a Pythagore qui dit, qu'y a-t-il de plus sage que le nombre ? Platon, alors lui... Il fracasse tout, il dit, le nombre, c'est le plus haut degré de la connaissance,
le nombre, c'est la connaissance même. Platon. Oui. Il y a ce monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Braque, qui est directeur d'études de sciences religieuses, qui dit que dans la tradition biblique, si un nombre est donné, c'est une indication d'un sens supérieur. Alors là, je vous... Pareil, excuse-moi Idriss, hein, mais je vous renvoie à cette belle interview que j'ai faite de Christian Cambois, justement, qui a travaillé pas mal d'années sur... Ses guides lui avaient dit, hein, lis la Bible et quand il y a des nombres, tu t'arrêtes. Il a trouvé des choses, mais incroyables, incroyables. Bon, je te laisse parler, Idriss. Donc il confirme que le nombre est important. Eh oui. Donc on va prendre l'évangile de Thomas. Parce que Thomas, époque, c'est la direction que nous demande, c'est la direction que les Wachowski nous proposent de suivre. Donc l'évangile de Thomas, c'est un évangile qui contient 114 logia ou versets. Ce sont les paroles de Jésus. Et ce nombre dit quelque chose. C'est-à-dire que le texte de l'évangile de Thomas commence par « Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a écrite Didyme Jude Thomas. » Donc, ce que signifie le nombre 114, c'est que c'est le nombre des secrets. D'accord. Et du secret, en fait. C'est ce qu'il signifie. La première signification de ce nombre, c'est le secret. Parce que l'évangile de Thomas, qui est important chez les gnostiques, l'évangile de Thomas, il a son importance. Il y a les autres, bien sûr, il y a l'évangile de Marie, comme tu disais tout à l'heure, il y a l'évangile de Philippe, mais l'évangile de Thomas, parce que c'est les paroles de Jésus. C'est vraiment, tu vois, qui ont été rapportées par Didyme Thomas. Et elles sont secrètes. Donc ce que dit le nombre 114, c'est le secret. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'apôtre Thomas, c'est un juif hellénisé. C'est-à-dire que c'est un juif qui vivait, pas en Grèce, mais dans le monde grec, en fait. Donc, il lisait sûrement et l'hébreu et le grec. Et il y a une... Donc, tu en as parlé tout à l'heure, de la guématrie en général, mais il y a une guématrie spécifique à la tradition hébraïque. C'est la guématrie hébraïque. Avec les lettres hébreux. Voilà, lettres hébraïques. Et il s'avère que le nombre 114, dans la tradition hébraïque, c'est la valeur numérique. Quand on, tu vois, les lettres, elles ont des valeurs numériques. Mmh. Et quand on choisit... quand on choisit un petit peu les nombres et les lettres, heureux hasard, coïncidence, dans la tradition hébraïque, le nombre 114 correspond à un mot qui signifie en français connaissance ou science. Ce que veut dire donc le nombre 114, c'est qu'il est le nombre de la connaissance secrète. C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il signifie, comme Thomas, et époque signifiait l'évangile de Thomas, comme le mérovingien signifiait en fait le Da Vinci Code, et bien sûr on a oublié d'en parler, mais Reine le Château, Marie-Madeleine, tu vois, et toute cette partie du monde, tu sais, de la France, cette version de l'histoire chrétienne en France, occulte, et bien l'évangile de Thomas, par son nombre, il signifie ça, il signifie, c'est le nombre de la connaissance secrète. Et c'est intéressant parce que si on continue, ça ne s'arrête pas là, le nombre 114. Tu vas voir, c'est un exemple pour aller, pour démontrer qu'on peut aller assez loin. Donc, quelque chose qui avait lieu chez les gnostiques, c'est que voilà, ils s'embrassaient sur la bouche. Et justement, dans l'évangile selon Philippe, il disait que Jésus embrassait Marie-Madeleine sur la bouche. Et c'est là où on en a déduit qu'en fait, ils étaient mariés. Bon, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas le cas. Hein. Ils n'étaient pas mariés. Mais en tout cas, il embrassait sur la bouche. Et chez les gnostiques, le baiser sur la bouche signifie la transmission d'une connaissance. D'accord. Et là, c'est Jésus qui transmet à Marie-Madeleine. Et donc, la connaissance, elle est secrète. Et comme tu disais tout à l'heure, il a transmis à elle, et seulement à elle. Donc, c'est une connaissance supérieure qu'il a transmis à elle et pas aux autres apôtres. Ce qui a fait d'elle qu'elle était l'apôtre des apôtres. Elle était au-dessus de tous les autres. Et ce qui est intéressant dans l'alphabet latin, c'est que même l'alphabet latin est concerné par la guématrie. Ok. Tu vois, les lettres latines, les lettres françaises, ont une valeur numérique aussi. C'est celle de l'ordre de l'alphabet. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec cette guématrie. Mm-hmm. Voilà, donc de 1 à 26. A, B, C. A égale 1, B égale 2, C égale 3, X égale 24, Y, ainsi de suite, Z égale 26. Mm-hmm. Et il s'avère, coïncidence, encore une fois,
c'est que quand on fait la guématrie de Marie-Madeleine, on obtient 114. Le nombre de la connaissance secrète. Bien vu, Idriss. Bien vu. Tu vois, ça confirme. Ça confirme, que c'est elle qui a reçu cette connaissance secrète. Ben oui, parce que c'est les paroles de Jésus. L'évangile de Thomas, c'est les paroles secrètes de Jésus. Et son nom confirme que c'est elle qui a reçu la connaissance secrète. Et c'est peut-être pour ça que Pierre ne supportait, enfin Pierre ou d'autres ne supportaient pas. Ah, les autres apôtres n'ont pas supporté. Voilà, eux, ils ont reçu l'enseignement de base. Ouais. Et Jésus a été un petit peu plus, a été plus en profondeur, sans mauvais jeu de mots, avec Marie-Madeleine. Ouais. et c'est elle qui a reçu la véritable connaissance et ce secret. Et voilà. Oui, ça n'a pas du tout plu aux autres apôtres. Et il faut se rappeler que c'est une connaissance qui n'est réservée qu'à quelques-uns. Mmh. Parce que elle, Jésus avait vu en elle qu'elle était apte à recevoir. Tout à fait. Elle avait les oreilles déployées et le cœur. Le lapin blanc. Oui. Et le cœur ouvert. Pas de et le cœur ouvert. C'est ça. Exactement. Parce que c'est important, vraiment, les préjugés. J'insiste sur les préjugés, parce que vraiment, les préjugés, c'est le truc qui bloque tout, quoi. Eh ben oui. Donc, je continue. Donc, voilà, Marie-Madeleine, donc, c'est confirmé, a bien reçu la connaissance secrète de Jésus, quoi. Mm-hmm. Enfin, pour moi. Mm-hmm. Alors, dans Matrix, au tout début de Matrix, il y a une série de chiffres qui apparaît, tu te rappelles ? Oui. Tu sais, il y a Trinity qui dialogue avec Cypher. Et à ce moment-là, il y a une ligne de code qui apparaît, et puis il y a des numéros. La matrice, et là, ça commence à défiler, oui, c'est vrai. Mm-hmm. Puis il y a une espèce de ligne de code qui apparaît au tout début, en haut, et puis il y a une espèce de série, tu vois, qui apparaît. Mm-hmm. Tout en haut, je l'ai mis en rouge, là, tu sais, dans les cercles rouges, je sais pas si tu les vois, ouais. Donc 3, 5, 2, 5. Mm-hmm. Voilà, en fait, c'est, je l'ai mis par écrit en dessous, c'est en fait, c'est 3 et 2 entre parenthèses, suivi de 5, 5, 5. C'est ça la série de chiffres. Et en fait, c'est une petite opération arithmétique qu'il nous a demandé de faire. Il nous a demandé de calculer ce qui est entre parenthèses. Le code de la matrice. Oui, et quand on calcule... Parce qu'en fait, quand deux chiffres, il me semble, parce que quand deux chiffres sont séparés par un espace, c'est ce qui est entre parenthèses qu'il faut calculer. Ils sont séparés par un espace, c'est comme si c'était multiplié, une multiplication. D'accord. Donc 3 fois 2 est égal à 6. Et là apparaît un nouveau nombre. Il faut savoir, rappelle-toi que le 114 signifie le secret. Et donc il est caché dans un autre nombre. Pour bien signifier le secret, apparaît un nouveau nombre, 6555. Et coïncidence, heureux hasard, il s'avère que 6555 est lié au nombre 114. Parce que 6555 est le triangle, ce qu'on appelle le triangle mathématique du nombre 114. C'est-à-dire que si on additionne tous les nombres de 1 à 114, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4, hein, jusqu'à 112 plus 13 plus 114, plus 113 plus 114, on obtient 6555. Ouais, incroyable. C'est-à-dire que dès le début de Matrix, on signifie l'évangile de Thomas, dès le début. Mais il est caché, parce que ce nombre signifie le secret. Donc on signifie le secret en le cachant dans un autre nombre. Et je rebondis. J'arrête pas de rebondir. Mais c'est Christian Cambois, je faisais référence à lui tout à l'heure à l'émission qu'on a fait ensemble, qui c'est écrit sur mon tableau, je ne vous pourrais pas voir, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Bon bref, c'était comme c'est Guy lui avait suggéré de s'intéresser aux nombres qu'il pouvait y avoir dans la Bible, hein. Alors pas les nombres 1, 2, bateaux, mais par exemple la pêche des 153 poissons. Oui, alors lui, il s'est arrêté là-dessus. Il dit, attends, pourquoi 153 ? Pourquoi pas 152 poissons ou 154 ? Non, 153 poissons. Et ensuite, il a eu le message triangle. Alors, il a tracé, parce que ça me fait penser avec ton triangle. Ouais, ouais. Donc, il a tracé un triangle et il a, aux trois coins de ce triangle, a posé ce nombre 1, 5 et 3. Et ensuite, il a eu comme message inverse. Donc il a inversé son triangle en fait, au lieu de le faire pointe en haut, il l'a incrusté dans ce premier triangle pointe en bas, donc ça fait une belle étoile de David. Et là la même chose, il a repositionné ce 153, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, lorsque vous faites ce petit dessin, vous retrouvez donc en bas 355, les trois pointes de cette étoile de David va vous donner le chiffre 355, et en haut vous aurez 113.
Et lorsque, au miracle, vous faites 355 divisé par 113, eh bien, vous retombez sur 3, 14, 16, le nombre pi. Voilà. Donc, ce petit code dans la Bible qui a été caché, voilà. Non, mais c'est l'exemple même qu'il ne faut pas être un littéraliste, en fait. Quand on lit un texte sacré, exactement. Il faut sortir du littéralisme et être prêt, comme le disait Elie Düring, être prêt à rentrer dans l'irrationnel. C'est ça. Parce que là, c'est ce que propose Christian Cambon, en fait. Hein. C'est-à-dire, oui. Voilà, et par rapport à cette opération, voilà, vous placez les chiffres de manière à ce que, si vous additionnez chaque somme de cette étoile de David, de ces pointes, ça vous donnera 666. Bon. Le 1 avec le 5, le 3 avec le 3, et le 1 avec et le 5 avec le 1. Voilà. Qui n'est pas forcément un chiffre diabolique, satanique. Hein. René Guénon, exactement. René Guénon, il disait que ça pouvait être un nombre solaire sans problème. Exactement. On voit toujours 666, le chiffre du diable, mais on est dans un monde de dualité, je vous le rappelle. Donc, il ne faut pas voir le mal partout, comme je le disais. Non, mais il ne faut pas, parce que, rappelle-toi, le préjugé... C'est ça, on a des préjugés, on va dire, ça c'est un nombre diabolique. Mais pas du tout, parce que, en fait, bon, après, certains l'utilisent à de mauvais escients, on va dire. Ouais, voilà. Il peut être utilisé comme ça, mais ce n'est pas forcément ça. Parce qu'il y a des gens qui, ils vont avoir des surprises. Bon, pas là, mais voilà. Il est un peu partout, le 666. Il n'est pas que là où on croit. Exactement. Et d'ailleurs, c'est très, très intéressant ce petit décodage du code de la matrice que tu as fait là sur cet extrait où on voit la première fois cet écran avec tous ces chiffres qui vont commencer à se dérouler. Mm-hmm. Intéressant. C'est intéressant parce que c'est... en fait, ça souligne bien le fait qu'il faut être très curieux et être très vigilant. C'est l'œil ouvert. Si vous regardez Matrice après cette émission, prenez la télécommande et laissez votre pouce sur pause. Hein, il faut faire pause à toutes les images. Quoi, en fait, partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Wachowski, les sœurs Wachowski, parce que maintenant c'est les sœurs Wachowski, ont fait la même chose que Léonard de Vinci. Elles ont codé tout le film, mais chaque scène. Visuellement, chaque scène. J'en suis convaincu. Et bon, quand tu dis elles ont codé, elles et l'équipe qui est derrière. Il y avait une équipe derrière, on est d'accord. D'accord. Hein. Comme ce qu'expliquait Paul George Sansonetti, hein, même pour jouer avec la gématrie sur les noms des personnages, ça fait trop de boulot pour eux, je pense. Donc, non, c'est pas possible. Ouais, ils ont été aidés. Il y a eu une aide non, à côté. Quoi. Enfin, on va continuer, mais tu verras que c'est une équipe parce qu'on va le voir ailleurs. Tu vas comprendre. Mais ce qui est intéressant dans le calcul de Christian Cambon, c'est qu'il trouve pi, c'est ça, hein, pi. Hein. C'est ça, 3, 14, 16. Ouais, non, et pi est un nombre irrationnel. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est invité à rentrer dans l'irrationalité. Mmh. Encore une fois, il ne faut pas être rationnel. Mmh. Il faut être prêt à... Parce que imagine-toi un mec comme Néo. Il faut s'ouvrir l'esprit. Ouais, mais imagine-toi qu'un gars comme Néo ou une demoiselle comme Trinity vient te voir et tu dis voilà ce que j'ai vécu, voilà mon histoire personnelle. Ce qu'il a vécu, Néo, tu vas le prendre pour un barjon. Non ? Oui, on va dire arrête de prendre des pilules rouges. Hein. Ben ouais, sauf que c'est... Ouais, c'est clair. Mais sauf qu'en fait, il parle d'une réalité. Il y a des gens qui vivent vraiment ça. Alors, ils n'ont pas beaucoup, on est d'accord. Hein. Mais il y a des gens qui vivent vraiment ça. Et c'est pas un rien si le fou est la symbolique des choses cachées. Dans le tarot, tu sais, le fou... Oui, exactement. Voilà. Et voilà. Les gens comprennent comprennent pour des fous. C'est ça. Ouais, petite anecdote, tu sais, quand Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, Obi-Wan Kenobi rencontre pour la première fois le fou du film, Han Solo. Mm-hmm. Il ne lui parle que de folie. Revois le film, quand il le rencontre dans le bar, mm-hmm. il ne parle que de folie. Ah, je revisionnerai ce passage, oui. Tu verras. Okay. Sur Tatooine, hein, tout au départ, hein, lorsqu'il cherche un vaisseau pour partir avec Luke. D'accord. Il parle beaucoup de folie, tu verras. D'accord. C'est parce que c'est une invitation à l'irrationnel, en fait. Et là, on est dans l'irrationnel, là, toi et moi. Là. Complètement. Complètement. Hein. Là, ils s'y racontent, ces gens. S'il y a des gens qui tombent sur ma chaîne par hasard, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? On est d'accord. Ils ont pété un plomb. Mais on va aller très loin. Tu vas voir qu'on va aller très loin et on va peut-être dépasser les préjugés. Alors, on continue. Et il s'avère, tu sais, dans Matrix, tu connais cette scène, tu la connais, cette scène.
que Neo travaille dans une grosse boîte qui s'appelle Metacortex. Oui, il est informaticien, enfin programmeur. Et d'accord. Et tu as vu que Metacortex n'a pas la même orthographe. En dehors, et à l'extérieur et à l'intérieur. Ah, ça, je n'avais pas prêté attention. Oui, c'est vrai qu'à l'intérieur, Cortex... Cortex, c'est-à-dire que le X a été remplacé par le C, le H et le S. Mm-hmm. Et les lettres latines, comme les lettres hébraïques, ont des secrets. Mais on va pas s'arrêter à ça. Là, on nous signifie quelque chose. Je veux dire, on est en train de nous dire, regardez par là. On change quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut regarder par là. Et donc, quand on fait le calcul de la gamma, enfin le calcul de ces lettres, les trois lettres, le C, H, le S, quand on les additionne, on obtient 30. Bon, c'est un nombre qui cache des secrets. Mais bon, c'est pas le but. Mais quand on multiplie ces nombres entre eux, on tombe sur le nombre 456. Et 456, et là on parle à la nouvelle génération. Le 456, c'est le numéro d'un nombre, d'une série, un autre succès mondial du niveau de Matrix, c'est la série Squid Game. Que je n'ai pas vu. Et c'est pas mal, hein, c'est un truc que moi j'ai bien aimé. J'ai regardé ça avec ma fille de 15 ans, on a regardé ça, on a déliré, on a regardé ça tout du long. C'était très bien. Mais on voit que ça communique. On voit que même si c'est une production japonaise, non ? Non, c'est la Corée du Sud. Coréenne, d'accord. Mais c'est une coproduction Netflix. Et okay. Netflix code tous ses films et toutes ses séries. Oui. On l'a vu avec Stranger Things. Voilà. Donc 456, il y a un lien. Tu vois, on fait des liens entre les films et les séries. Le code de la Matrix, il est au-delà de Matrix. Il est dans tout Hollywood, en fait. Et là, on voit le lien qui est fait. C'est-à-dire que ce nombre, ces lettres, ces trois lettres, ces HS, disent des choses, mais ces nombres disent aussi autre chose. Et on les retrouve ici, dans Squid Game, la série Squid Game, sur le personnage principal. Alors, j'ai oublié son nom. Il porte cet uniforme avec ce numéro, quoi. Voilà. Ils ont tous des numéros, en fait. D'accord. En fait, je n'ai pas vu la série, donc je t'écoute. Voilà. Mais ceux qui l'ont vu comprendront. Ceux qui l'ont vu, sachez que ce numéro n'est pas là par hasard. Voilà. Et dans cette série, comme tu peux le voir, on voit que le nombre 114 apparaît clairement. En fait, on croit que c'est des nombres qui sont donnés au hasard, tu sais, dans la série. Parce qu'il y en a tellement, on croit que c'est... Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que là, il apparaît clairement, mais ce qui signifie le secret ici, c'est pas le nombre, c'est la couleur, c'est le vert. D'accord. Si, alors, il y a quelqu'un qui est très accessible sur Internet, c'est Patrick Burenstenas. Mm-hmm. Et il explique dans une de ses vidéos, il en a fait beaucoup, mais dans une de ses nombreuses vidéos, il explique que le vert, c'est la couleur du secret. Et tu vois, le 114 ici, dans la première, au premier plan, là, dans la première image, il y a un bonhomme qui a le nombre 28. Oui. Ça te rappelle quelque chose de 28 ? Les jours de la Lune, enfin le cycle lunaire. Mais voilà, on va pas chercher le bien loin, la Lune. Et il y a d'autres nombres. En fait, ces nombres ne sont pas là par hasard, c'est ça qu'il faut savoir. Alors moi, je comprends pas tout, hein. Mais s'il apparaît le nombre 114 clairement, il signifie qu'il faut le voir, déjà, ce nombre. Et il renvoie à l'évangile de Thomas. Et le vert signifie le secret, en fait. C'est le vert, c'est la couleur verte qui signifie le secret. Et comme on peut le voir, à droite, là, la pilule rouge et la pilule bleue est aussi proposée au personnage principal, mais sous forme d'enveloppe. D'enveloppe, d'accord. Ouais. Parce que c'est un jeu, en fait. Ah ouais, tu n'as pas vu la série. Non, alors me spoil pas. Hein. Tu me donnes envie de la voir, du coup. Ah ouais, en plus, franchement, elle est sympa, très sympa. Donc, tu vois, bleu et rouge. Pilule bleue, pilule rouge. Et il accepte, hein, il accepte la pilule rouge. Parce qu'il faut il gagne l'enveloppe. Enfin, tu verras. Donc, on voit que dans Squid Game, le nombre 114 apparaît aussi. L'évangile de Thomas. En fait, Squid Game est aussi une référence gnostique et maçonnique. D'accord. Et alors, je spoil, je suis désolé, mais là, je spoil, je suis obligé de spoiler. Il y a le personnage principal, le 456, qui est ami avec le papy, qui est à droite, qui a le numéro 001. C'est le premier, quoi. Mm-hmm. Et à un moment donné, dans la série,
tu verras qu'il y a des nombres, même à gauche, l'horloge, tu vois, il y a des nombres. 0, 6, 18, oui. Ouais. L'inverse du nombre d'heures. On est d'accord. On est d'accord. T'as compris, tu vois, il n'est pas là par ouais, hasard. On est d'accord. On est d'accord. Donc, il lui refile son sa veste. Tu sais, il lui refile sa veste. En fait, il le choisit. Il dit, tiens, parce que tu verras, il a un rôle important, ce papy, en fait. Mm-hmm. Et en fait, il le choisit. Il est choisi par ce papy. Et en portant sa veste, il est protégé, tu verras. Mais il faut savoir que un, en anglais, se dit one, et one, ça veut dire élu. Et c'est l'anagramme de Néo. Et dans cette série, l'élu, c'est le personnage principal, c'est lui. C'est le 456. Ok. Tu vois, même là, l'élection est signifiée. Tu vois ? C'est pour faire le lien avec les nouvelles générations, tu vois, je veux dire. D'accord, ouais, oui, parce qu'on là, on parle d'un film que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais là, ouais, voilà. pour le coup... C'est un peu pour eux. Donc, il est aussi question d'élection, de gnostique. Voilà. Et d'inviter les jeunes à regarder les films avec un autre œil. Voilà. Et donc, là, on continue avec Eleven. Là, tu connais cette série, ouais. Ah oui, j'ai adoré. Ouais. Donc, elle s'appelle Eleven, qui veut dire 11. 11. Et 11, il suffit de l'écrire avec deux nombres, comme on voit sur sa porte, c'est la porte de sa chambre. Et pourquoi le tatouage, il est écrit avec un zéro en plus ? Pourquoi avec trois chiffres ? Et pourquoi un zéro, alors que deux chiffres auraient suffi ? En fait, on est en train de nous signifier, encore une fois, l'évangile de Thomas. Parce que si tu remarques, le 11, il n'est pas circulaire, il est carré ou rectangulaire, c'est un quadrilatère. Le zéro, tu veux dire. Ouais, le zéro. Le zéro, c'est un quadrilatère. Quadrilatère signifie le chiffre 4. 4, donc rapport à 411. 411, c'est pas l'inverse. L'inverse, oui, c'est le... En effet miroir, on va dire. Voilà, du nombre 114. Et donc, on est en train, encore une fois, de nous signifier l'évangile de Thomas et la gnose. Et... Tu vois ce que je veux dire. Donc, le 114 apparaît... Et comme c'est le secret, il apparaît caché. Toujours. Caché. Il est toujours caché. Sauf dans Squid Game, où il apparaît clairement, mais il est avec le vert. Et la couleur verte signifie le secret. Et d'ailleurs, tu remarqueras que la porte, elle est un petit peu verte. Oui, c'est vrai. Ouais. Et Eleven veut dire 11. Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre 114 et Reine le Château ? Eleven, 114 et Reine le Château. On va le savoir de suite. Ah, bien vu. Il faut savoir que Rennes-le-Château se trouve dans le département de l'Aude, qui s'écrit avec 4 lettres. Et c'est le 11e département. Bien vu, bien vu. Et ce qui confirme que le chiffre 4, c'est que Aude, dans sa valeur numérique réduite, vaut 4. C'est-à-dire que si tu additionnes, tu obtiens 31. 3 plus 1 égale 4. Donc on a bien 11 et 4. 114. J'ai bien un point d'interrogation. Hein. Bien vu. D'ailleurs, j'en avais parlé une fois, hein, regardez la France, hein, on appelle c'est le pays de l'Hexagone. Donc Hexagone, on va y venir. Ah, ok, je ne spoil pas alors. Parce que c'est aussi lié au nombre 114. D'accord, ok. Oui, parce que bon, je termine ma démonstration, mais une face à six côtés, donc rapport au nombre 6. France qui commence par la lettre F, qui est la sixième lettre de l'alphabet, et France est composée de 6 lettres. Donc on retrouve le 666. Voilà. Et est-ce que la France est un pays maudit ? Pas du tout. Donc voilà, rapport à ce que je disais, il ne faut pas voir le mal partout. Exactement. Il ne faut pas le voir partout, parce que justement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en France que tout commence. Et s'il est signifié, et c'est bien vu dans le mot France, ce 666, c'est que la France a son importance. Exactement. Donc voilà, je pose la question. 114, Aude, bon voilà, hein, on est d'accord. Donc maintenant, on en revient, on va reculer dans le temps, et on en revient aux Templiers. Et les Templiers, ils ont une histoire officielle, c'est qu'ils vont au Moyen-Orient. Et on dit que là-bas, les Templiers vont au Moyen-Orient et ils sont logés dans les étables.
à Jérusalem. Du temple du roi Salomon, c'est ça. Voilà, exactement. Et ils ont creusé. Et miracle, je rigole parce que ça me fait rire, et miracle, ils ont trouvé quelque chose de secret que personne ne connaissait. Eux, ils débarquent de France et ils creusent là-bas et ils trouvent quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut quand même un petit peu réfléchir un petit peu à toute cette histoire, c'est qu'il y a quand même des gens qui vivent là-bas. Et là-bas, il y a une civilisation. Et il y a des gens qui savent des choses. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, et ils ont des connaissances. Donc, d'accord, ils creusent, c'est une façon de voir les choses. Mais creuser, ça veut peut-être dire autre chose. Creuser, ça veut dire peut-être ramener quelque chose de là-bas. Ils vivent là-bas et ils ramènent quelque chose de là-bas. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ramené une connaissance et derrière tout ça, ils nous ont pondu toutes les belles cathédrales que nous avons en France. Exactement. Ça, c'est la version officieuse parce qu'officiellement, apparemment, on nous dit que non. Oui, non, c'était... Et puis, ils étaient là pour défendre les pèlerins qui allaient sur la Terre Sainte. Oui, ils étaient neufs. Donc, à neuf déjà, pour se défendre, ils devaient... Mais balèze, même avec des grosses épées. Mais ouais. Voilà. Et puis, c'est un petit peu eux qui ont été les commanditaires de la construction de nos magnifiques cathédrales qui sont, elles aussi, codées. Voilà. Et donc, exactement. Et on va y venir, justement. Tu vas voir, on va y venir. Tu me devances. Excuse-moi. Non, mais... J'ai pas vu les slides qu'allait nous présenter Idriss, mais je savais qu'on allait être sur la même longueur d'onde. Exactement. Et donc, ce n'est pas des gens idiots, hein, les Templiers, ceux qui vont là-bas. Quand on nous signifie, ils nous signifient qu'ils sont neufs, ça veut dire que c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils vont faire là-bas. C'est des gens très intelligents, des gens très instruits. Tu vois, je veux dire, c'est pas il ne faut pas les confondre avec les premiers croisés. Ça n'a rien à voir. Les premiers croisés, pour se faire une image de ce qu'ils étaient, ils sont arrivés là-bas, à Jérusalem, ils ont tué tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs, les musulmans. Ils ont massacré tout le monde. Et pour se faire une image un petit peu de ce qu'ils étaient, ils ont un petit peu quelque chose qui leur ressemble aujourd'hui, qu'on appelle les djihadistes au Moyen-Orient. C'est-à-dire des illettrés de la religion. Les premiers templiers, les premiers croisés, je te parle. Et les templiers, eux, c'est un autre niveau. Ce qu'on appelle les templiers. Donc, ils sont allés chercher quelque chose là-bas. Mais là-bas, il y a un petit livre qui circule sous le manteau, discrètement, et qui est lié au nombre 114. C'est le Coran. Ok. Dans le Coran, il existe 114 chapitres. 114 chapitres. Le nombre de la connaissance secrète. Donc, ce qu'ils sont allés chercher là-bas, les gens de là-bas l'avaient déjà, en fait. En fait, ils ont été instruits de ces choses-là. Ils ont été initiés. Le fait qu'ils ont creusé et qu'ils ont trouvé dans une grotte quelque chose de secret, ça veut dire, en fait, la grotte, c'est l'initiation. En fait. Ils ont été initiés à quelque chose de secret, à un autre christianisme. Le vrai christianisme. On voit là le nombre... Ça ne peut pas être un hasard. Si l'évangile de Thomas... on le voit que ce nombre 114, il est diffusé un peu partout. Il est récurrent, quoi. Il est récurrent. Et dans le Coran... Et c'est là où je dis qu'il faut enlever les préjugés de sa tête. C'est parce que ne vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que... Rappelez-vous que, l'allégorie de la caverne, c'est notre réalité. Et notre réalité n'est qu'une illusion. On est d'accord ? Et il y a un truc qui s'appelle la télévision. Et la télévision, c'est une illusion dans l'illusion. Et le but des Wachowski et tout ça, le but de leur film, c'est d'aller nous chercher dans la petite boîte qui s'appelle la télévision. Pour nous sortir de l'illusion qui est dans l'illusion. C'est ça. Tu t'imagines ? Et donc, voilà, comme le diable signifie diviser, hein, voilà, on a essayé de nous diviser avec des religions différentes, mais au final, le Coran se rapproche beaucoup de la Bible. Mais pas que, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas comprendre. C'est-à-dire, et puis on peut philosopher là, parce que tu sais ce que tu as vu, l'islam montre la lune. Et que dit le sage sur la lune ? Le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Et la lune, on sait tous qu'elle a une face visible et une face cachée.
D'ailleurs, j'avais déjà fait cette réflexion, j'avais entendu parler de ça. Oh, le mot occulte, bah, en fait, la première lettre, c'est un O, hein, comme le soleil. Et la deuxième lettre, c'est un C, comme un croissant de lune. Et Ben après, ouais. les cultes. Donc, le culte du soleil et de la lune. Moi, je l'ai vu dans un bouquin de tarot, ça. Je l'avais vu sur. Je crois que c'est. Je ne sais plus si c'est Jorodowski qui avait écrit un bouquin ou sur le tarot. Ou, enfin, c'est un bouquin de tarot, c'est sûr. Et j'avais vu cette référence-là aussi sur le mot occulte. Donc, c'est quelque chose qui circule dans les milieux hermétiques et ésotériques, quoi. Donc, on voit. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu sais que les lettres arabes sont divisées en deux groupes. Le groupe solaire et le groupe lunaire. Ah, je ne savais pas. Écoute, tu m'apprends quelque chose. Ah Merci. maintenant tu sais. Et donc la Lune a une face cachée, on est d'accord. Et OK. on sait que la Lune fait le tour de la Terre en 28 jours. Et en fait, le Coran signifie ça. C'est-à-dire que l'alphabet qui est utilisé pour écrire le Coran contient 28 lettres. Non seulement il est montré, la Lune est montrée par le sage sur les mosquées, mais il est aussi montré dans le Coran. Parce que l'alphabet contient 28 lettres. Et comme on sait que toutes les alphabets ont un sens caché maintenant, on le sait, l'alphabet Merci. hébraïque, l'alphabet latin, l'alphabet arabe a aussi un sens caché. Et si l'alphabet arabe a un sens caché, le Coran a un sens caché. Et d'ailleurs, la couleur de l'islam, c'est quoi? Le vert. La couleur du secret. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Ne soyez pas des littéralistes. Parce que ces choses-là cache des choses inaccessibles si on a le cœur fermé, si on est plein de préjugés, si on n'est pas curieux et si on triche. On ne peut pas tricher avec soi-même. On ne peut pas tricher avec la vérité. Il faut qu'elle est évidente, elle est évidente. Donc je continue. Donc nos amis templiers, ils vont là-bas, ils récupèrent une connaissance qui existe déjà et qui est diffusée déjà. Elle est largement diffusée et chez tout le monde, pas que chez les musulmans, hein, chez les chrétiens, chez les juifs et même au-delà. Là, il s'avère que c'est le livre qui est de 114 chapitres, mais voilà, c'est au-delà de. C'est pas ex... Il faut savoir que le Coran n'est pas exclusif, il est inclusif. Quelque chose d'inclusif. Tu vois ce que je disais que c'est. Et en France, on reconnaît ça. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre un peu plus loin. Donc je continue. Donc ils reviennent, nos amis les Templiers, avec cette connaissance. Petit souci, petit problème. C'est qu'en France, il y a déjà une religion. Et oui, la chrétienté s'est déjà imposée avec son pouvoir ecclésiastique, etc. Voilà. Et il y a déjà un livre, la Bible. La Bible, le best-seller français. Ouais, non, mais il faut pas le dénigrer. Je veux dire que l'islam reconnaît les écrits liés à Jésus et à Moïse. Hein. Oui, Jésus est nommé dans le Coran. Je m'excuse, Ah. j'ai jamais lu le Coran, mais mea Jésus. culpa. Mais Jésus est nommé dans le Coran, je crois. Alors, je vais te faire un lien entre le Coran et l'évangile de Thomas. La première fois que tu lis l'évangile de Thomas, tu n'y comprends rien. La première fois que tu lis le Coran, tu n'y comprends rien. Bah, comme quand tu lis la Bible, hein, il y a des fois, c'est soporifique. Hein. Oui, mais Tu là, comprends. c'est encore plus. C'est encore... D'accord, d'accord. Au moins, dans la Bible, il y a une Une histoire. trame, ouais. Là, il n'y a rien. On dirait, en fait, tu vas comprendre, on dirait un labyrinthe, en fait. Les deux, l'évangile de Thomas et le Coran. Et d'ailleurs, il y a une histoire de labyrinthe, tu vois. Et donc, ils reviennent, et donc, il y a déjà une religion, les Templiers. Il y a déjà, en France, il y a déjà une religion, il y a déjà un livre. Qu'à cela ne tienne, ils vont en créer un nouveau livre. Donc, ils vont bâtir les cathédrales. Les cathédrales, c'est un livre de pierre. Et les cathédrales, c'est un livre de pierre codé. Exactement. Et la langue qui est utilisée pour ce code dans les cathédrales, ça s'appelle la langue. Des oiseaux. Ouais, mais l'autre nom. Langue gothique, non? Non, l'autre nom. Ah, la troisième, allez. Je donne ma langue au chat, vas-y. La langue verte. La langue verte, ah d'accord, ok, je connaissais pas. Donc le vert n'est pas signifié que dans le monde musulman, il est aussi signifié en France, dans les cathédrales. C'est la langue verte. La langue des oiseaux, c'est la langue verte. La langue des secrets. C'est pour ça que Patrick Perrin-Stenlin disait que le vert était la couleur des secrets. D'accord. Et donc, on voit bien, alors je ne sais pas si on pourra le voir, donc ils viennent, et donc, alors c'est un truc pharaonique, les cathédrales, c'est 100 ans, 200 cathédrales, c'est un truc de fou, quoi. En 100, 150 ans, je crois, il y a eu ouais, quelque Oui, chose enfin, comme 200 cathédrales qui sont sorties de terre en France. c'est un truc monumental, quoi. Ouais. C'est-à-dire que
on est là, on le fixe et c'est là pour longtemps. C'est ça. Enfin, c'est marrant, c'est comme le Coran. On est là, on le fixe et c'est là pour longtemps. Ou comme les pyramides. Ou, voilà. Ou comme les pyramides, exactement. Mm-hmm. Ou comme les pyramides. C'est fixé et pour longtemps. C'est marrant quand même, non, tous ces, mm-hmm. ces liens mm-hmm. entre pyramides et cathédrales et Coran. C'est, tu trouves... tu, en plus, tu sais que... Enfin, bon. Enfin moi, ça ne m'étonne pas. Oui. Pour certains, ça peut étonner, mais oui. Mm. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de préjugés sur le religieux. Ça. Parce qu'on oui. croit, oui. croit que les choses s'opposent, mais pas du tout. Pas du tout. Là, je parle sérieusement. C'est, il faut, si on dépasse les préjugés, en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Tout le contraire. Ce n'est pas par hasard que je dis ça. Et donc, y a, les cathédrales sont jeux de piste. Y en a, et bon, y a, voilà, y en a beaucoup. Et le jeu de piste est diffusé dans toutes les cathédrales. Et on a la cathédrale de Chartres. Qui est très connu. Qui est très connu. Et on a là-bas le soleil et la lune qui est signifié aussi à la cathédrale de Chartres, comme on peut le voir sur la petite BD là, tu sais. Oui. Et ça, je l'ai constaté sur la cathédrale de Rouen, j'habite juste à côté. Et il y a une tour qui est dédiée au soleil et une tour qui est dédiée à la lune. Ça se donc voit très nettement. Donc on signifie bien la lune dans le christianisme. Donc, tu vois, je veux dire, c'est enfin, on signifie bien la lune, bon, le soleil aussi, hein, mais la lune aussi. Et donc, à Chartres, il y a un labyrinthe. Un labyrinthe qui est très connu. Fameux voilà. labyrinthe. Mmh. Qui a des dents tout autour, tu sais. Mmh. Et, coïncidence, on en dénombre 114. Ah, bien vu. 114. Donc, la connaissance. C'est un, oui, c'est un nombre gnostique. C'est un nombre gnostique dans, une, dans, une, dans un lieu dédié à Dieu, mais catholique. Donc, ils sont bien revenus, si c'est bien eux qui ont fait bâtir les cathédrales. Oui, oui, c'est reconnu, ça, on le sait. Voilà. Donc, ils ont diffusé une connaissance autre que la connaissance officielle. Alors, ils ont joué avec des décorations pour faire plaisir à, au pouvoir qui était ecclésiastique en place à ce moment-là, hein, pour dire, bon, c'est, ce, sont des, ce sera la maison de Dieu, voilà. Pour... Mais ils ont su être malins pour... pour mettre plein de codes dans leur construction que les religieux de l'époque n'ont pas vu, quoi. Tout à fait. Et c'était fait pour, c'était réservé qu'à quelques-uns. C'est ça. C'est, en plus, je pense que ce n'étaient pas tous les Templiers qui étaient au courant de ces choses-là. Je pense que c'était que quelques-uns. Mmh. Les plus hauts gradés, on va dire. Et donc, on a ce 114. Mais il y a un lien quand même entre ce labyrinthe et le Coran. Déjà, le Coran est un labyrinthe. Quand on le lit pour la première fois, si on n'est pas initié un petit peu à ces choses-là, on ne comprend pas. Mais en fait, il y en a 5, on en dénombre 114 officiellement, mais, enfin, mais il y a un petit trou, il y a un passage. Et en fait, on en exclut un, ce qui fait 113. Il y en a bien 5, officiellement, il y en a 114. Oui, mais, l'entrée du labyrinthe en occulte... Un, bon, voilà. D'accord. Donc, on en dénombre 113. Et coïncidence, dans le Coran, il y a 114 chapitres ou 114 sourates, mais il n'y en a que 113 qui sont indexés. D'accord. Ouais. Donc, c'est pas par bien, hasard. C'est bien une connaissance qu'ils ben ont oui. remontée de l'Orient. Enfin, ben oui. Ben et ça, je le répète, ça n'a rien d'exclusif. C'est-à-dire que l'Orient lui-même, quand tu lis le Coran, il est pas, il te dirige vers donc les autres monothéismes, mais même au-delà, vers l'Égypte, vers. Mais il faut savoir lire en fait, puisque c'est codé, tu sais, vers au-delà des monothéismes. Mais il faut savoir lire. Si on sait un petit peu lire l'alchimie, l'ésotérisme et tout ça, c'est au-delà. Donc, petite particularité dans ce nombre 114, si on fait de la réduction numérique, de la réduction théosophique, si on additionne tous les chiffres qui contiennent le nombre 114, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 4, on obtient 6. Mm-hmm. Bon, jusque-là... Mais ce qui est remarquable, c'est que si on additionne ce 114 au nombre 6 qu'on a obtenu, on obtient 120. Et là... Nous avons les angles qui nous proposent un hexagone. Un hexagone. Et quand on est en hexagone, on est où ? On est en France. Voilà. Et donc le nombre 114 est aussi lié à la France. Et la France est aussi liée au nombre 114. Ouais. Tu vois, je veux dire, si on fait des réductions théosophiques, on obtient 114. Enfin, on obtient l'hexagone. Hexagone. Mmh. Tu veux que je revienne en arrière ? Non, j'ai bien vu, j'ai bien vu. Et il y a une petite particularité en France, toute petite, mais bien spécifique à la France,
c'est que le lien avec l'islam est un petit peu bizarre. C'est un petit peu, comme on peut le voir depuis 30 ans, un petit peu conflictuel, on va dire. Conflictuel, voilà. Tu as trouvé le bon mot. Voilà. Et ça ne remonte pas aujourd'hui, ça remonte à il y a 1000 ans, enfin, à plus longtemps. Mais il y a une spécificité française, c'est que contrairement au reste du monde, on n'appelle pas le prophète de l'islam Mohammed, mais on l'appelle Mahomet. Oui. Qui est une inversion. Et ça, ça a tendance à irriter les musulmans. D'accord. Ce qui est un petit peu logique. Mais il faut repenser au personnage du Mérovingien au début. Le personnage du Mérovingien, il a été mis là, et ça a irrité les Français, parce qu'il était méchant. Lambert Wilson. Il était fourbe, il était traître. Tu vois, je veux dire, il avait tous les mauvais... tout ce qui était mauvais, c'était lui qui le représentait, en fait. C'est ça. Sauf que les Wachowski nous disaient, attention, attention, ne vous fiez pas aux apparences. Allez au-delà des apparences. Eh bien, nous aussi, on va aller au-delà des apparences. Avec ce mot Mahomet, on va dire que c'est un panneau de signalisation pour nous aussi. C'est une indication à suivre. Parce qu'on est en France. Et en France, je te renvoie pas, mais je renverrai les gens à deux personnes que tu as reçues il n'y a pas longtemps. Didier Coyac et Christian Doumergue. Oui, on a fait deux belles émissions sur la France. Et ses codages. Et ses codages, exactement. Et on a l'impression qu'en France, tout est codé. Oui, bah, la France codée, hein, le livre de Christian Doumergue, hein, je vous invite à acquérir. C'est un bon, comme je le disais, un bon guide du routard des mystères en France. Voilà. Et donc, et si c'était autre chose, en fait, qu'on était en train de nous dire, et si c'était regarder différemment, si c'était, tu sais, ce retournement, tu sais, si c'était un retournement qu'on devait faire à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ne vous fiez pas aux apparences. C'est-à-dire que si on applique nous-mêmes, allez, on prend cette proposition au bon. Okay. Si on applique nous-mêmes un retournement dans l'alphabet latin, si on applique un retournement numérique, c'est-à-dire qu'au lieu que 1 A soit égal à 1, B égal à 2, C égal à 3, on inverse tout. Ah, le A égale 26, le B égale 25, le C égale 20. D'accord, ok. Et là, on calcule, en fait. Et là, on prend Mahomet avec cette nouvelle guématrie. Cette nouvelle... guématrie inversée. Voilà. Nous aussi, on a fait une inversion. Ils ont fait une inversion, mais nous aussi, on va inverser. C'est une proposition. Eh bien, je parle de coïncidence. Ah, belle coïncidence. Belle coïncidence. Quand on additionne, on obtient le nombre de la connaissance cachée. 114. Eh oui. Et rappelons que la couleur préférée du prophète, c'est le vert. Du prophète de l'islam, Mohammed, sa couleur préférée, c'est le vert. Comme quoi, il faut penser à inverser les choses. Et ce qui nous renvoie à Matrix, puisque la première fois que Neo, lorsqu'il prend cette pilule rouge et part dans la Matrix, il est face à un miroir. Hein. Donc il inverse son... Voilà. Il inverse son image. Exactement. L'inversion. Et même dans Arène le Château, qui est la base du Da Vinci Code, dans ces histoires, on retrouve souvent des N inversées. Oui, c'est vrai. Une inversion. Mmh. Une inversion. Donc voilà. Donc, ça fait quand même pas mal de coïncidences, non, tu ne trouves pas? Ah, bah, à un moment, le hasard, il sort le drapeau blanc, il dit « là, chez moi, hein, c'est bon, voilà. C'est bon ». Et là, j'ai pris qu'un seul exemple. C'est-à-dire qu'un seul, et Matrix, c'est, tu prends un exemple et tu... Allez, c'est parti. Tu pars sur autre chose. Et c'est ça qui est, c'est comme tu le disais, on ferait une émission de 100 heures s'il fallait vraiment tout décoder, c'est pas possible quoi. Exactement. Parce que là, tu tires un fil dans un coin et puis tu développes la pelote et blablabla, et voilà, on découvre plein de choses et on s'arrête plus. Et surtout, ce que nous dit Matrix, c'est qu'il faut pas être un littéraliste et il faut vraiment pas être et ne vous fiez pas aux. Tu sais, nous on est de la génération qui a grandi avec ça, avec, méfiez-vous des apparences. Tu te rappelles? Oui. On a eu, toute notre enfance, toute notre adolescence, on a eu... On a été bercé par des dessins animés, des séries. Et t'as vu, c'était répété. C'était répété. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Mais en fait, c'est ça qui voulait... Toutes ces séries et tous ces films, c'est ce qu'ils voulaient nous dire. C'est ces apparences-là. On vous dit des choses. Et c'est à vous, maintenant, de trouver ce qu'on a caché. De remettre dans le bon sens. Et ouais. Et t'as vu, ça va au-delà de ce qui était. C'est juste une introduction en fait, ce que eux diffusent. C'est, tu vois.
Parce que c'est au-delà des films, c'est au-delà des séries. Parce que moi, je le fais parce que c'est, ça, ah, ça oui. nous concerne, nous. Oui, sais. Et puis ils ont utilisé ce support hein, cinématographique pour... Mais parce qu'il est populaire, tout simplement. Il est très populaire, quoi. Exactement. Voilà. Mais en fait, c'est dans les livres, c'est partout, hein, dans tous les arts. Dans... Dali le faisait apparemment, des gens connus, quoi. Ben, Léonard de Fenzi le faisait. C'est beaucoup ça. De gens le faisaient, quoi. Mais c'est, comme tu disais au début, c'est partout, mais c'est aussi dans les livres dits sacrés. Et René Guénon disait du mot sacré qu'il est le synonyme du mot secret. C'est la même chose, en fait. Quelque chose est sacré parce qu'il est secret. C'est la même étymologie, quoi. C'est la même étymologie. Alors, il citait un mot latin, sacralum ou sacrelum, un truc comme ça. Il dit c'est la même racine. Donc, tout ce qui est sacré est caché, est secret, et réservé qu'à quelques-uns. Ok. Donc voilà, après j'ai sorti des trucs, bon, je m'arrête là parce que je... Non, mais hyper intéressant, comme tu le dis là, on tire juste un fil et on voit sur quoi ça nous amène. Je voulais juste ajouter une chose par rapport à Marie-Madeleine, juste une chose, c'est que Marie-Madeleine est vraiment partout. Dans le cinéma américain et dans les séries américaines, Marie-Madeleine est citée partout. Je t'avais parlé de ça, je voulais juste citer même dans des films un peu gore comme Pulp Fiction, au tout début, il y a les deux héros, là, Travolta et Jackson, qui parlent des McDonald's. Et à un moment donné, ils parlent du McDonald's et puis ils parlent du, comment on dit en français, tel truc en anglais, il dit Royal McDonald's. Big Mac ou je sais plus. Non, mais ils parlent du mot Royal. Royal. Et bien, ça commence là, c'est une référence à Marie-Madeleine. Et toute cette scène d'introduction est une référence à Marie-Madeleine. Toute la scène. Jusqu'à ce qu'ils viennent et qu'ils tuent les protagonistes, les jeunes, tu sais, dans le film. Ouais, ouais, ouais. Ça dure, je sais pas, ça doit durer 5-10 minutes. Hein. Mais l'introduction scène, du film, voilà. Toute cette scène. Royal, il commence par Royal. Et Royal, tu sais, le sang royal, voilà. Hein. Et voilà. Et Marie-Madeleine, elle est partout. Elle est vraiment partout. Et donc, c'est la France qui est partout. Et quand je dis que c'est en France que tout commence, c'est vraiment en France que tout commence. Mais il faut voir au-delà des apparences, après. C'est ça, il faut avoir les, comme je le répète, les oreilles pour le voir et les yeux, enfin, pardon, voilà. les oreilles pour l'entendre et les yeux pour le voir. Et j'espère avoir été convaincant ce soir. Enfin, avec mes... Bah écoute, moi tu m'as fait découvrir plein de choses, et ouais, c'est vraiment parlant. Enfin moi ce film, quand je l'ai vu la première fois, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi, j'ai dit, ce film il me transporte, il y a quelque chose dans ce film, c'est incroyable quoi. Au-delà du fait de comprendre que voilà, nous vivons dans un rêve, hein, parce que c'est un petit peu ça, hein, l'histoire de Matrice, hein, on est tous dans des cocons, on ne se rend pas compte. Quoi. Ouais, mais on l'a oublié, en fait, t'as vu, c'est ce que nous rappelle l'allégorie de la caverne, et c'est ce qui vient nous rappeler Matrix. C'est-à-dire que c'est nous, l'humanité qui dort, c'est nous. C'est ça. Non, écoute, c'est passionnant, Idriss, ce que tu viens de nous partager. Merci. C'est ça. Alors, il y a aussi, moi je voulais revenir là-dessus, par rapport à tous les personnages de... Dans Matrix, il y a bien sûr Morpheus, hein, donc rapport à Morphée. Hein, quand on dit « je vais dans les bras de Morphée », c'est que je vais me coucher, je vais aller rêver. Voilà. Donc justement, ce petit clin d'œil, Morpheus qui sort Néo de son rêve, en fait, quelque part. Ouais. Tu peux me permettre un petit quelque chose ? Oui, vas-y. C'est aussi une référence à la tradition chrétienne, parce que c'est aussi une référence, et il y a une preuve dans le film, c'est aussi une référence à Saint Jean. Mm-hmm. Saint Jean qui est une référence, il y a un évangile qui porte son nom et qui est très 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 ésotérique. L'Apocalypse. Ouais, non, mais même l'évangile. L'évangile de Saint Jean, d'accord. Parce qu'il est très ésotérique et très. Voilà, je voulais juste signaler ça. C'est aussi Morpheus, une référence à Saint Jean et à tout ce qui est mauresque aussi. Ok. À l'Égypte ancienne et tout ça. Il y a aussi le nom de son vaisseau, hein, le Nabucodonosor. Ça fait référence à un personnage biblique, le roi de Babylone. Tout à fait. Voilà. Ils sont nombreux, t'as vu les... Ah bah oui, hein, il y a aussi Trinity. Hein, bon, moi je pense que c'est un lien avec Marie-Madeleine. Et, ah oui, complètement. Complètement, hein, on est d'accord. Vas-y, hein, développe. Alors c'est dommage, j'ai pas le... Mais au tout début de Matrix, elle est arrêtée. Oui. Elle est arrêtée et elle est arrêtée par des flics, par des policiers, et elle met la tête derrière, elle met les bras derrière la tête. Et elle a les doigts croisés. Et l'un des attributs de Marie-Madeleine, c'est les mains, les doigts croisés.
Les mains croisées. Et, elle croise les doigts, pas complètement. En fait, elle croise les doigts comme ça. C'est pour signifier le chiffre 6. C'est trois doigts qui croisent trois doigts, le chiffre 6. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire ? Toujours ce rapport avec la France. Exactement. Et ça fait un œil aussi. Oui. Il y a une ombre, dommage, j'ai pas le slide, mais ça fait aussi un œil. Si tu regardes bien, regarde bien ma main. J'essaierai de le retrouver et de le mettre en incrustation. Voilà, et voilà. Vas-y. Mais tu vois, elle est bien partout, Marie-Madeleine. Ouais, complètement. Bon, il y a bien sûr l'agent Smith, hein, ça c'est les agents de la matrice. Hein. On va dire c'est tous ceux qui, bah, comme l'explique Morpheus, hein, il y en a, ils sont tellement dans la matrice qu'ils sont prêts même à se battre pour défendre ce système, quoi. Et c'est ouais, pour ouais. Moi, ça c'est les agents Smith pour moi, tu vois. Ouais. Petite, je peux me permettre. Vas-y. En fait, Smith, ça veut dire en anglais forgeron. Et forgeron, ça renvoie à l'alchimie. D'accord. Oui, parce que voilà. lui, il sait que. En fait, il sait qu'on est, enfin, que nous sommes dans une matrice, parce que lui, c'est ouais, le gardien c'est... quelque part hein, de la matrice, quoi. Non, mais est-ce que c'est vraiment son ennemi ? Parce que c'est sans Smith, pas de Neo. Exactement, c'est son double négatif, enfin quelque part. Quelque part, sans Smith, il ne peut pas se libérer de la matrice. Il ne peut pas souffrir, parce que c'est ça l'allégorie de la caverne. C'est ce qu'on oublie de dire, c'est que quand il sort, le gars de la caverne, il ne sort pas, il souffre. C'est une souffrance. Et Neo, il ne fait que ça tout le long du film. Il ne fait que se battre, se souffre, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qui fait qu'il se libère, en fait. C'est comme une naissance. C'est comme une naissance, la matrice, c'est comme une naissance. Et à la fin, lorsqu'il arrive à tuer l'agent Smith, il y a cette bataille hippique qui se passe sous un déluge. Toujours ce rapport avec Néo, Noé, hein, le déluge, voilà. Oui, c'est plein de codes. Bon, on a parlé de l'oracle aussi. Et le grand architecte. Oui, oui. Enfin, le grand architecte, c'est parlant quand même. Et oui, c'est le voilà, c'est Dieu, quoi. C'est celui qui a conçu la matrice dans laquelle nous sommes. Voilà. Alors Dieu, je sais pas. Non, on l'appelle, on essaye de lui donner un nom, mais voilà, ouais, voilà. Mais c'est, ça, il fait, parce qu'il y a des gens qui pensent pas que c'est Dieu, ils pensent que c'est autre chose, peut-être un démiurge ou un truc comme ça, tu sais, peut-être. Mais en tout cas, il a, voilà, c'est le grand architecte, c'est pas un hasard. Pour construire les cathédrales, on avait besoin de grands architectes. Oui. Et ils nous ont fait des œuvres. Je crois qu'on serait incapable aujourd'hui de refaire des monuments de la sorte. Quoi. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a plus l'argent, on n'a plus les... Voilà, voilà. Aujourd'hui, on fait des parkings cubiques. Ouais, on se rend pas compte de ce que c'est. Parce que c'était des punks. Hein. Quand ils arrivent, ils imposent un art qui était nouveau. Mm-hmm. Quand je dis c'est des punks, c'est comme aujourd'hui. Quoi. Les gens qui arrivent, tu sais, les hippies à l'époque, ou je sais pas... T'sais. Ils arrivent, ils imposent un art qui était mal vu à l'époque. C'était, c'est quoi ce truc ? Faut pas l'oublier. Hein. C'était des gens qui imposaient quelque chose qui n'était pas du tout traditionnel dans la construction. Mmh. Ouais, c'est ce fameux art gothique. Ouais, art gothique. Et moi, je me rappelle entendre la réflexion d'un programmeur informatique. Alors, je ne sais plus. Alors, je me rends compte que je deviens assez sombre sur l'écran. Mais ouais. Figurez-vous que c'est le soleil qui est en train de se coucher face à la fenêtre qui est à moi. Et du coup, ça doit assombrir ma caméra, je ne sais pas. Bon, voilà, petit clin d'œil au soleil, à Horus. Et oui, ce programmeur informatique voilà, avait fait cette réflexion. Il dit, lorsqu'on regarde que ça soit l'infiniment petit, ou l'infiniment grand, tout est basé sur des principes géométriques et mathématiques. Il dit, lui, il s'était fait cette réflexion, j'ai l'impression qu'on est, comme moi, ce que je fais tous les jours, hein, avec mon ordinateur, je crée des mondes virtuels, tout est basé sur de la géométrie, un programme informatique, des mathématiques, j'ai l'impression qu'on vit dans une matrice, quoi. Mais ouais, tout à fait. Mais artificielle. Artificielle. Ouais. Ça y ressemble beaucoup, en tout cas. Je vous renvoie à l'interview que j'ai fait avec Rock Soccer. Ça y ressemble. Mais tu vois, avec ma chaîne, j'essaye de faire des choses qui sont toutes en lien. Mais tu peux citer le lien parce que c'est ce que font un petit peu aussi ces gens-là. C'est qu'ils essayent d'activer ceux qui dorment. C'est ça. Ils essayent. Hein, et ils font en sorte de diffuser des choses et
pour les activer, ceux qui doivent être activés. Et tu as vu, nous, on est un petit peu, je te disais l'autre jour, il ne faut pas le prendre mal, hein, mais on est un petit peu resté bloqué sur ça, quand même. Mm-hmm. Tu vois, c'est que ça nous a vraiment parlé. Ça nous a vraiment parlé. Justement, pour clore cette interview, Idriss, ouais. Alors, tu as d'un côté, tu as des personnes qui vont se donner énormément de mal à diffuser cette connaissance, mais secrètement, parce que je pense que cette connaissance est tellement grande qu'il ne faut pas qu'elle soit entre n'importe quelle main. Tout à fait. Et pour la découvrir, il faut être sage, il faut être curieux, il faut comme un enfant, comme ce que tu expliquais tout à l'heure. Mmh. Et d'un autre côté, je pense qu'il y en a qui, je ne sais pas s'ils la connaissent, peut-être qu'ils l'utilisent à mauvais escient, mais il y en a qui nous mettent des bâtons dans les roues, je dirais. Tout à fait. Pour pas que les personnes s'éveillent et prennent connaissance de tout cela. Parce tout que on change la face du monde. Si ouais, tout le monde se réveille, tu vois, c'est le principe de Matrix, si tout le monde sort son cocon, on change la face du monde, et sans aller se battre, sans aller se faire taper par la BAC, ou tu vois, des manifestations, etc. On change la face du monde juste parce qu'on a compris le monde dans lequel nous vivons. Tout à fait. Mais alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas se fatiguer, parce que je vais te citer un sage soufi, donc dans la tradition islamique, Rumi, qui disait que, de son expérience personnelle, il disait « Avant, j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Maintenant, je suis sage, je me change moi-même. » Exactement. Et ça, je l'ai compris. Parce qu'à un moment donné, quand on commence à comprendre certaines choses, on voudrait que tout le monde le sache. Et puis, on essaie de le dire à ses amis, à sa famille, à ses machins. Et puis, on se rend compte qu'on prêche dans le désert, quoi. Ouais, c'est parce que si les gens ne sont pas prêts, ça ne sert à rien de les forcer, non. De toute manière. Ouais, et voilà, il faut être prêt. Il faut être prêt. Tu sais, justement, ça va dans ton sens aussi, dans l'allégorie de la caverne, après j'arrête là, mais quand il retourne, le gars, quand il retourne... Oui, il essaye de diffuser ce qu'il a vu là-haut. Non, mais t'as vu ce qui se passe. Eh ben, les gens, ils ne veulent pas sortir de la caverne. Non, ils veulent le tuer. Ils veulent même le tuer, mais qu'est-ce que tu... Oui, c'est ça. Ils veulent le tuer. Qu'est-ce que tu racontes Non, on préfère regarder nos ombres sur notre mur de la grotte. On ne veut aller voir ton truc de fou, quoi. Laisse tomber, quoi. L'humanité est en train de se faire un film. Exactement. Bon, ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Eh oui. Bah écoute, j'espère qu'ensemble, on aura apporté notre petite pierre à l'édifice, on aura fait notre petit colibri aujourd'hui. Et puis, tout à fait. Si on a la chance d'avoir éveillé, sortir du cocon une ou deux personnes, bah au moins, on aura fait notre job. Et justement, si les gens veulent aller un peu plus loin... Exactement, je voulais que tu nous en parles pour... Voilà, si les gens sont intéressés, je suis en train de préparer une petite formation pour aller un peu plus loin, pour découvrir, aller un peu plus loin dans le cheminement. Parce que le cheminement, chercher et trouver, fait partie du cheminement. Donc, si des gens sont intéressés, je suis en train de préparer une formation pour septembre, je l'espère. Et je laisserai peut-être mon adresse email. Oui, je vais mettre dans le lien sous la vidéo ton adresse mail, comme ça, si des personnes veulent te contacter. Voilà, et pour que je les informe. Et je leur enverrai un petit texte qui m'a inspiré, donc la petite vidéo d'introduction, tu sais, sur un petit texte connu, mais peut-être que des gens ne le connaissent pas, mais d'autres le connaissent, et qui m'a inspiré... cette petite image qui lie le monothéisme à la grande pyramide de Gizeh. C'est un texte où on retrouve dedans le pitch de la révélation des pyramides, si on sait bien lire. Il y a le pitch dedans, il a été écrit en 1936. Mmh. Voilà, je leur enverrai ça, s'ils me contactent, je leur enverrai ce petit texte. Connu, très connu, mais voilà, c'est un rappel. Bah, je mettrai le lien de ton adresse mail sous la vidéo pour les personnes qui veulent te contacter. Et voilà, aller un petit peu plus loin dans la matrice en ta compagnie. Et peut-être que plus tard, j'espère terminer une vidéo et que je diffuserai gratuitement avec une voix, bien sûr, parce que j'ai pas de moyens, une voix synthétique qui va un peu plus loin dans le... Où il y a beaucoup d'interviews, de sources, des choses sourcées, quoi. Beaucoup plus sourcées. Voilà. Il y a encore tant de choses à dire. Ouais, beaucoup, beaucoup. Bah écoute, un grand merci Idriss. C'est moi qui te remercie. Non, mais voilà. C'est vraiment sympa. On a passé un super moment tous les deux. Voilà. Un moment chez les Barjots. Chez les Barjots, et moi ça va parfaitement dans la continuité de tout ce que je vous ai déjà proposé depuis un peu plus d'un an maintenant que Horus est là, voilà. Donc j'espère que ça va dans ton sens, dans le sens de la chaîne. Complètement, complètement. Et que ça a plu aux gens, quoi.
Complètement. Désolé pour ce côté sombre de mon côté. Hein, il faudra que je me mette. Voilà. Mais je vous dis, j'ai pas de rideau. J'aurais dû mettre des rideaux. Tu le sauras pour la prochaine fois. C'est ça. Bon, bah, Idriss, un grand merci. Merci. Et puis à très bientôt. Hein, si un jour tu veux, voilà, comme on l'a dit, au moins c'est une vidéo, une émission de 100 heures qu'on pourrait faire ensemble. Donc, on pourra un jour s'en refaire une et puis compléter tout ça. Ce sera avec plaisir. Allez, je te souhaite une bonne continuation et puis moi je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Horus. Beaucoup de succès à ta chaîne aussi. Merci. Ciao. Ciao.